Bonsoir à toutes et tous, bienvenue en direct sur Web Girondins. On se retrouve pour parler des Girondins de Bordeaux ensemble pendant au moins une petite heure. Au minimum, puisque ce soir on n'est pas tenu par le temps. Je vous remercie d'être là, tous sur le chat. Vous allez nous dire si lors de cette présentation, vous avez de l'écho comme l'autre soir. On accueille tout de suite le fan de la Youv, monsieur Florian Sabatier. Sabatier. Salut Flo, ça va? Salut Nico, salut à toutes et tous. Bah écoute, ça va plutôt pas mal. On est au jour numéro 3 de confinement. Donc voilà, on s'occupe comme on peut avec des anciens matchs de foot, Ligue des Champions, Coupe du Monde, tout ce qui va pour patienter pendant ce moment délicat. Bon, parfait. À ta gauche, en te regardant sur l'écran, c'est monsieur Samuel Vasselin du Club des 5. Salut Samuel. Bonsoir à tous. Comment ça va le Parisien? Bah, confiné comme tous les Français responsables, donc on fait avec, hein, FIFA, Netflix, MyCanal, tout y passe quoi. Et puis comme le dit Flo, c'est aussi l'occasion de se refaire des anciens matchs qu'on avait déjà revus, qu'on n'avait jamais revus. Là, ouais. Je suis sur la petite série grâce à Bein Sport tous les soirs des matchs des Bleus. Bon, ce soir il y a France-Danemark, donc on va pas être trop dissipé pendant l'émission, mais c'est sympa. J'avais revu les matchs, le 8e quart demi-finale, mais les poules, j'avais jamais revu, je crois, les matchs des Bleus. Et bon, c'était pas si infâme que ça. Ouais, ou alors c'est parce qu'on est confiné et que. Ouais. Je me rappelle. C'est possible. Ouais, je me rappelle même plus du score de ce match. France-Danemark, 0-0. C'est le seul match de la Coupe du Monde. C'était le match de la Coupe du Monde. Quelle Coupe du Monde, le France-Danemark? 2018. Ah, 2018. Bon, 98, il y avait eu deux en 98. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi, les gars, il y a vos vignettes, elles se dérèglent au niveau de la taille. Je sais pas pourquoi, de moment donné. Donc bon, je fais l'ajustement direct. Hein. Et donc au-dessus de toi, Flo, et à ma gauche, c'est Monsieur Jonathan D'Agostino. Ça va, Joe? Oui, ça va, bonsoir à tous, du coup. Ouais. Ouais, pareil, ouais, troisième jour de voilà, fait, où on est confiné. Bon, ouais, on commence à prendre le petit rythme. Voilà. Bon, ben écoute, t'es avec madame, tout se passe bien? C'est ça, je l'ai envoyé faire les courses aujourd'hui, du coup, je suis resté au chaud, moi. Zéro risque, c'est quoi. Tu prévois les risques. Ouais, c'est risque. Ça, t'inquiète pas. Il envoie madame. Après, s'il y en a un des deux qui est contaminé, de facto. Ouais, c'est ça, de toute façon, après. Donc voilà. Les risques sont pris ensemble dans tous les cas, il faut le voir comme ça. C'est beau. Eh bien, écoute, c'est ça, on n'a pas le choix quand on est à deux, il n'y a pas le choix. Ouais, tiens, on salue Gino, Noël, Axel, Aurélien, Don et tout le monde. Nino aussi qui est là. Salut Nino qui était avec nous la dernière fois. François, à tous. On aura Gino au téléphone. Nino, je pense qu'on n'aura pas le temps de t'avoir. J'ai pas eu le temps de te prévenir. Au téléphone, peut-être à la fin de l'émission. Jérémy Lalanne qui est là, qu'on avait eu au téléphone la dernière fois. Allez, messieurs, je vous donne le sommaire. Le sommaire, c'est une spéciale Paolo. Paolo Souza, mon ami. Notre plus grand plaisir. On n'en a pas assez parlé cette saison. On reviendra, on accueillera le journaliste de Sud-Ouest, Cédric Canalet, tout à l'heure, dans quelques minutes. Donc, on va faire sa philosophie de jeu. On fera sa communication, sa méthode et son management et son avenir. Donc, je pense qu'on. Après, si vous avez des idées de thèmes, on va essayer de. On va essayer de se contenter de respecter un peu cet ordre-là et de ne pas tout mélanger pour que ce soit un peu organisé. Je ne sais pas si on y arrivera. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me va très bien. Ouais. Parfait. Ouais, ça vous va? Bon, impeccable. Ouais. Impeccable. Écoutez, donc, si sur le chat vous avez des questions, des interrogations, donc je vous redonne le programme, sa philosophie de jeu, sa communication, sa méthode, son management et son avenir. J'avais dit que je vous préparerais le son de Jean-Yves de Blasi, j'ai pas eu le temps. Où il parle de Paolo Souza en introduction, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Quand on est confiné, on a plus de temps en fait. On a le temps de rien. qui sait, donc on va commencer par sa philo. Putain, vous êtes hyper sage, ça fait bizarre, j'ai l'impression que je suis tout seul à parler. Nico, juste si je peux te couper, je vois qu'il y a Kevin Strootman qui dit je suis le seul à travailler. En fait, je vois que c'est. Il nous écoute depuis son camion. Ah, ben donc super. Je voulais saluer du coup. Kevin Strootman et tous les camionneurs actuellement qui font qu'il n'y a pas de pénurie de PQ et de pâtes actuellement. Enfin, voilà. Et ne pas mélanger les deux, surtout. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, voilà. C'est pas forcément bon. Et oui, Kevin Strootman, fais attention, ça fait un petit souffle dans ton micro quand tu respires, Joe. Éloigne un peu, éloigne-le un petit peu. Je l'ai mis à peu près, excuse-moi. Arrête de respirer, Joe, comme ça. Reste bleu, comme le met de la jute de flou, et après c'est bon. Ouais, voilà. Et bien oui, Kevin Strootman, qu'on a vu au téléphone, vous vous souvenez? Oui, tout parisien, à fait. C'est parisien. C'est un spécimen, Kevin Strootman. Ouais, c'était super. J'avais beaucoup aimé quand on l'a vu au téléphone. Il nous avait raconté une anecdote avec Jean-Louis Trio, hein, si je me souviens bien. C'était ça, Joe? Ah, je sais plus, tu peut-être. Sais plus, si, qu'il avait rencontré Jean-Louis Trio à l'aéroport en rentrant de vacances. C'était... Ah oui, qu'il était aux États-Unis ou je sais plus, ou en Colombie, je sais plus. C'était un truc, oui, c'est vrai. Un truc incroyable. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On vous laisse tous arriver. Mais qui c'est qui veut commencer sur sa philosophie de jeu? On va lancer ça, sa philosophie de jeu. Alors, juste alors, pour moi, introduire, alors, juste pour introduire moi, le sujet. Que Samuel ou Flo m'explique la philosophie de jeu. Alors, ouais. Déjà. Juste pour introduire le sujet. Attendez. Il a cinq principes, Paulo Sousa. Il les a indiqués en conférence de presse. Son premier principe, c'est la transition. C'est, alors, il y a les phases de jeu, il y a l'organisation défensive. Premier principe, l'organisation de l'attaque. Deuxième principe, les transitions offensives. Troisième principe, les transitions défensives. Et le cinquième principe de jeu qu'il met en place, c'est sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Il base... alors attends, parce que j'en ai zappé une. Tu as dit transition offensive, défensif, orga défensif. Voilà, organisation offensive. Comment l'équipe attaque, comment l'équipe est organisée en attaque, comment l'équipe est organisée en défense, comment elle s'organise dans les transitions offensives, dans les transitions défensives et les coups de pied arrêtés. Voilà, donc qui c'est qui veut commencer? Soit Flo, soit Samuel, et moi je vais appeler Cédric. Comme Samuel est fan de Gonzalo Higuain, moi je lui laisse ma place en premier. D'accord, moi je pensais que tu prenais l'initiative, tu vois, mais... Non, moi tu sais, c'est comme Gonzalo, j'attends que ça rentre dans la surface et je plante, mais c'est... Jamais on attend trop de Sabatier. Non, mais c'est... Tu l'as dit, Nico, je crois que c'est important de le rappeler que Paulo Sousa, déjà, c'est un entraîneur qui prône le jeu, un entraîneur assez dogmatique. Aujourd'hui, on classe beaucoup les entraîneurs en deux catégories, ceux qui sont pragmatiques. Le porte-drapeau de ces entraîneurs-là, c'est José Mourinho qui a gagné beaucoup de trophées comme ça. Et il y a les entraîneurs dogmatiques qui ne bougent pas, qui ont une philosophie de jeu. C'est pas eux qui s'adaptent à l'adversaire, même s'ils le font plus ou moins chacun. Mais en tout cas, ils ont une idée, un principe de jeu et qui doit être le fil conducteur d'une saison. Et Paulo Sousa, il se range dans cette catégorie-là, où là, si on veut mettre aussi un porte-drapeau, on a Guardiola qui est l'entraîneur peut-être un des plus dogmatiques, ou en tout cas celui qui a eu le plus de résultats avec sa philosophie. Et Paulo Sousa donc, se range dans cette catégorie d'entraîneur. C'est un entraîneur qui, effectivement, tactiquement, aime pouvoir couvrir l'ensemble du terrain. Ça, on le voit avec ces deux systèmes utilisés quand il est arrivé, à savoir un 3-4-3 lors des phases défensives, et dès qu'on passe sur des phases plutôt offensives, on est en 4-2-3-1. Et c'est un entraîneur qui veut surtout pouvoir construire de partir de l'arrière, construire très bas pour pouvoir essayer d'avoir une équipe qui fait circuler le ballon, qui casse des lignes et qui va trouver des solutions vers l'avant. Et c'est ce qu'il a essayé d'amener en Ligue 1. Maintenant, la philosophie de Sousa, c'est bien, mais il faut aussi prendre le contexte dans lequel il veut l'appliquer. Il veut l'appliquer avec un effectif plus ou moins stable et dans un championnat où les philosophies ne sont pas toujours récompensées en fin de saison. Et donc cette philosophie-là qu'il a, selon moi, appliquée pendant un temps à Bordeaux, elle était dans un strict but de se dire « mon équipe va bien jouer au foot ». Maintenant, est-ce que ça marche de bien jouer au foot en Ligue 1 ? Chacun va faire son avis. Moi, j'ai le mien, je pense que tout le monde le connaît. Pas forcément. Il n'y a qu'à voir les dernières équipes qui ont fait des bons résultats cette année en Ligue 1. Mais sa philosophie, avant tout, si on doit la vulgariser, c'est tout simplement de jouer au ballon et de savoir le faire circuler, de savoir l'utiliser et de savoir, avec plusieurs schémas de jeu, plusieurs schémas tactiques et donc une grande animation qui recouvre plusieurs aspects, arriver à la mettre en place lors des matchs de football, et donc être une équipe qui marque beaucoup, qui va beaucoup vers l'avant. Pour l'instant, ça s'est très peu matérialisé du côté de Bordeaux. Messieurs, on va accueillir Monsieur Cédric Canalet, journaliste à Sud-Ouest. Salut Cédric. Salut à tous. Bienvenue à toi. Salut Cédric. Dans Salut le talk. Cédric. Bon, voilà, tu arrives en début d'émission. Comment ça va déjà?
Ça va très bien, ça a confiné comme toute la France, donc tout va bien, voilà. En plus, en vacances cette semaine, donc c'est voilà, confinement vraiment tranquille. Bon, ah mince, t'es confiné en vacances, ça c'est con. C'est ça, c'est ouais. Ça. Ouais, bon. Bon, bah écoute, t'es sur Bordeaux là ? Je suis sur Bordeaux, oui. Ouais, bon, parfait. Bon, tu as entendu Samuel, on commence le débat donc sur Paulo Sousa, c'est l'objet de cette émission, et on parlait de sa philosophie de jeu. Et Samuel, il dit, il est venu pour faire du beau jeu en Ligue 1, mais finalement, c'est compliqué pour lui d'appliquer sa philosophie à Paulo Sousa. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis assez d'accord pour résumer la philosophie de Paulo Sousa. Il y a peut-être un mot, c'est protagoniste, il le répète souvent. Il veut que son équipe soit protagoniste dans le jeu, qu'elle soit active et non pas passive. Donc c'est ce qu'il essaie de mettre en place dès son arrivée. Après, il n'a peut-être pas vraiment réussi aussi parce qu'il n'a pas eu les recrues espérées. Ça a été son vrai problème. On a vu que les joueurs qu'il a, eh bien pour appliquer sa philosophie de jeu et son principe de jeu qui est assez atypique, ne répondaient pas forcément, notamment au niveau des couloirs où il a le plus de difficultés pour le mettre en place. Ouais, question après, mais c'est vrai qu'il l'a bien expliqué, on parlera tout à l'heure de sa communication. Flo, t'en penses quoi, toi, de ça, sa philosophie de jeu ? T'as loué Paulo Sousa pour sa philosophie. Sa philosophie, elle est intéressante. C'est intéressant. Oui, dans tous les cas, moi, honnêtement, avant qu'il signe, il y avait deux trois choses qui étaient plutôt pas trop mal, notamment avec ce qu'il avait fait avec la Fiorentina, je pense, notamment, bon, ça fera pas forcément plaisir à Cédric, mais il y avait eu un Inter Fiorentina où je crois qu'il s'impose à San Siro, qui avait été quand même remarquable au niveau notamment des milieux centraux. Bon, d'un côté, quand tu as la capacité d'avoir des joueurs comme Milan Baldej, Vecino à l'époque, il y avait aussi Borja Valero, et je serais tenté de dire un cran plus haut, avoir un joueur comme Iličić. Je trouve qu'il a essayé de faire un peu, en tout cas toute proportion gardée évidemment, parce que c'est pas du tout la même chose, et j'ai l'impression qu'il a voulu essayer de donner des consignes à Nicolas Depréville, ce que faisait un peu notamment Iličić pour on va dire lui enlever un peu enlever à Nicolas Kalinic un peu de travail défensif. Mais sauf que là, c'est vrai que quand tu as pas les joueurs au milieu, et notamment comme le disait très bien Cédric, au niveau des latéraux, ça devient forcément compliqué, parce que finalement, si on regarde un petit peu au niveau des compositions de Paulo Sousa depuis le début de la saison, là où il y a une véritable incertitude, c'est vraiment dans ce poste de joueur piston, comme on en a parlé pendant un petit moment. Si on regarde, si on essaye de comparer, d'imaginer là où il a le mieux marché, c'est à la Fiorentina, et notamment avec ce 3-4-2-1. Il avait des joueurs comme Marcos Alonso. Après, ils avaient à droite un peu de temps en temps, avant que Bernardeschi ne commence véritablement à exploser, c'était Blazikowski, l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Donc voilà, il y avait tout un. Je pense qu'au niveau du schéma défensif, c'est quasiment le même. Honnêtement, on n'est pas. Il n'y a pas un déficit, mais c'est vraiment au niveau du milieu et au niveau du cœur du jeu pour bien travailler la transition. Et ça, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des recrues qui sont pas venues. Et moi, je pense notamment on en a beaucoup parlé cet été, mais c'était le cas. En tout cas, c'était un joueur que souhaitait absolument Paulo Sousa. C'était Milan Badelj qui aurait pu clairement réguler ce milieu de terrain parce que c'était un peu le profil qui manquait. Et qui manque toujours, d'ailleurs. Ouais. Donc ce que j'entends, c'est que tu dis qu'il y a une belle philosophie, mais finalement il n'y a pas l'effectif. Non, oui, clairement, c'est les idées de jeu sont là, l'envie de faire quelque chose, on l'avait vu, notamment ça avait été décrypté, je crois, par le Late Football Club sur le match de Coupe de la Ligue contre Dijon, où on voyait vraiment clairement les idées que en place Paulo. Mais à l'heure actuelle, le nombre de joueurs qu'il y a dans cet effectif, et on va dire qu'il est plus quantitatif que qualitatif, c'est clairement les joueurs qui manquent, et il le répète à chaque fois, un vrai numéro 9, et c'est vrai que ça tu l'as pas à l'heure actuelle. Et même au milieu, je trouve qu'il te manque quelqu'un qui puisse faire
qui puisse faire le lien réellement entre cette défense centrale, le milieu avec, je dirais, plus Otavio et ce joueur-là capable d'alimenter les joueurs offensifs de bons ballons. Et ça, malheureusement, les Girondins de Bordeaux l'ont pas à l'heure actuelle. Joe, tu es d'accord avec cette vision, la philosophie, et finalement, il ne la met pas en place parce que c'est à cause de l'effectif? Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a quand même 40 joueurs sous contrat et qu'il n'a pas réussi quand même à trouver un équilibre dans tout ça, entre son idée de jeu et l'effectif qu'il a. On sait que l'effectif est limité maintenant. Est-ce qu'un effectif d'honorer, entre guillemets, toutes ses idées et que tout soit mis en place? Même à Marseille, même à Rennes, même à Lille, je ne suis pas certain. C'est pour ça que je pose quand même la question. Peut-être à Marseille, avec Bounassar, à ma vie, sur les côtés, ce serait peut-être plus intéressant pour lui. Mais est-ce qu'il se serait aussi adapté à l'effectif que le fait André Villas-Boas? Je ne suis pas certain non plus, parce qu'il a quand même des idées assez arrêtées. Défensivement, on a vu des bonnes choses à Bordeaux, mais offensivement, c'est un néant total. Mais total, pour moi. Et Daniel Bravo, sur le dernier match, il a dit clairement, j'ai pas compris l'animation offensive qui avait été mise en place. Moi non plus. Comme dit Flo, effectivement, au milieu, il manque du monde, ça on est d'accord. Mais les mouvements qu'il y a, je ne vois strictement aucun mouvement dès qu'on a le ballon. On est très stérile. Donc pour avoir des bonnes relances, c'est compliqué. Il n'y a pas de transition offensive pour moi. Donc il y a les joueurs, effectivement, la qualité des joueurs, ça on ne peut pas le nier. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Cédric, comment t'expliques qu'il n'arrive pas? Parce que bon, est-ce que ça vient de l'effectif qu'il n'arrive pas à mettre sa philosophie de jeu? Parce que finalement, quand tu as une philosophie, il a quand même eu le temps de travailler une année avec des joueurs et il a fait le tri parmi les joueurs. Comment expliquer qu'il n'y soit pas arrivé? Clairement, bon, c'est vrai qu'il y a une philosophie très ambitieuse sur laquelle il espérait des recrues, on l'a évoqué. Et là, en fait, face à ce constat-là, il n'essaie plus en fait, de mettre en place sa philosophie. On voit que depuis fin janvier, il est passé avec une défense à 4 classique. Voilà, c'est bad. Bon, je crois que ça bug. Ouais, on l'entend. Bon, t'entends très mal, Cédric. Je sais pas si ça vient de ton réseau ou si ça vient de la connexion. Ou alors c'est un texte à trous, mais. L'info de l'inné. On va jouer au centilier. Ouais, on n'a pas du tout compris ce que tu as dit, Cédric. Je suis. D'accord. Ouais, vas-y, tu disais, vas-y, si tu peux reprendre. Je recommence. Oui, je disais, en fait, mais il a abandonné son idée, en fait, sa philosophie de jeu en fin janvier, parce qu'il n'a pas eu les recrues escomptées. On voit que maintenant, c'est devenu un entraîneur un petit peu plus classique, un peu plus stigueur, ouais. En quelque sorte, avec une défense à 4 classiques, avec un jeu beaucoup plus pragmatique. On voit qu'il s'adapte à l'adversaire. Il était au Parc des Princes avec une défense à 5, il est revenu avec une défense à 4 et un bloc bas contre Saint-Étienne, donc on voit vraiment qu'il est dans l'adaptation. Il s'est un petit peu renié parce qu'il a pas eu les recrues et voilà, il a remonté en quelque sorte. Ouais, bon, finalement, il s'adapte, il a une philosophie de jeu, mais il la remet. Alors, il garde les mêmes principes, hein, la combativité, l'occupation de l'espace. Alors, il a essayé de s'adapter. Il s'est pas adapté parce que les résultats sont pas forcément, et même dans le jeu, ce qu'on voit, c'est quand même assez catastrophique les matchs qu'on voit. Pour moi, il s'est pas encore adapté. Il a essayé par contre. Ça c'est déjà une bonne chose. C'est ce que je lui reprochais depuis le début. Mais tu vois que dès qu'on sort de ses idées, pour lui, c'est très compliqué. Ouais, je te trouve dur quand même, Joe, parce que les matchs où il fait le sacrifice de changer un peu et de mettre de l'eau dans son vin, t'as le match à Nantes. T'as tous les matchs depuis Nantes en fait, quasiment à part le match contre le PSG. Et il y a eu pas mal de matchs sur ces périodes-là où il y a eu des séquences intéressantes. Maintenant, moi, ce qui me gênait, c'est que c'était pas dans les idées et dans le jeu mis en place, mais que c'était un système qui favorisait beaucoup le duel. Et ça fait que sur certains, notamment sur des 1 contre 1 ou sur des 2 contre 1 en phase défensive, on était un peu plus costaud au duel. Donc c'était plus sur le physique qu'on prenait le dessus. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je pense que c'est un souci d'effectif sur le fait que Souza ait eu du mal et n'ait pas encore pu appliquer sa philosophie. Oui.
Mais je pense que c'est un mélange quand même de plusieurs choses. Il y a effectivement l'effectif, mais il y a aussi la direction, le fait qu'au début c'était un homme de projet, que petit à petit, notamment avec le tout ce qui s'est passé depuis notamment les deux mercato, il a compris à un moment donné qu'il était peut-être pas si important que ça entre guillemets dans le projet, et donc forcément tu fais un pas en arrière. Ou quand tu disais que pendant deux trois ans tu pouvais appliquer ta philosophie et jusqu'à que ça marche, et que là tu vois finalement qu'en fait t'es peut-être pas si important que ça, et que si on doit te virer, oui, ça coûtera de l'argent, mais ou si tu dois partir, tu partiras, c'est pas grave. Tu te dis peut-être que je vais surtout essayer de limiter la casse avec l'équipe pour pas avoir une casserole à traîner dans ma carrière d'entraîneur, et t'essayes de faire le strict minimum. Donc je pense que c'est un mélange de plein de choses qui fait qu'il a pas appliqué sa philosophie aujourd'hui, mais je reste quand même persuadé que sur certaines phases, bien sûr, hein, pas du tout sur l'ensemble de la saison, pas du tout de manière régulière. Et c'est ce qui m'embête beaucoup. Mais sur certaines phases qu'on a vues avec Paulo Sousa, ça m'a beaucoup plus intéressé que ce que j'ai pu voir avec certains autres entraîneurs à Bordeaux sur les 10 dernières années. Maintenant, ce que je regrette, et il est en partie responsable, c'est que on ne le voit jamais de manière régulière. Et ça, quand tu vas avoir des résultats au foot, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu n'es pas régulier, tu peux arrêter d'espérer. Hein. Il y a Tanguy sur le chat qui dit il a quand même renié son principe de base, les dédoublements et les permutations. J'avais pas compris que c'était un de ses principes, moi, les dédoublements et les permutations. Non, mais ça va de pair, c'est-à-dire que c'est pour amener. Les couloirs, oui. Quand tu veux construire rapidement, t'as besoin de latéraux qui accompagnent, t'as besoin de pistons plutôt, qui accompagnent leur attaquant, de manière à pouvoir évoluer ensemble et être plus dangereux. Et c'est vrai que ça, cette saison, est-ce que vous avez des exemples cette année de but de Bordelais où tu as une combinaison côté droit ou côté gauche entre l'attaquant et son piston? Moi, j'en ai très peu en tête, franchement. Des combinaisons comme tu pouvais en avoir avec Malcolm et Sabali. Ouais, Malcolm et Sabali, ou même à l'époque Mariano avec Casri, Mariano avec CV. C'était plus avec des milieux là pour le coup, mais parce qu'on jouait sans ailier, mais t'en avais à ce moment-là. Là aujourd'hui, ou même à un moment donné, Roland avec Mariano. Mais là aujourd'hui, moi, j'ai pas d'exemple cette année en tête où on a eu un surnombre au niveau des latéraux. Si j'en ai un, pardon, le penalty obtenu à Nice, où t'as De Préville qui décale Camano. Voilà des rares exemples où on s'est effectivement retrouvé dans une situation de supériorité numérique sur les côtés et on a réussi à être dangereux et à être décisif. Cédric, on profite de ta présence. Donc, tu es comme Florian. Je crois que t'es fan de Serie A, toi aussi. Ouais. Oh là, on t'entend pas très bien, Cédric. Je sais pas. D'un quoi. Non, mais ça, c'est la liaison avec l'Inter de temps en temps. Il y a des petits problèmes. T'es là, Cédric. C'est ça. Ouais. Et quand. Ouais. Ouais. Bon, on t'entend pas très bien. Il y a pas un bon réseau GSM, je crois. Question. Quand il signe à Bordeaux, Paulo Sousa, tu te dis quoi, toi? Comme tu le connaissais sûrement, donc tu te dis quoi quand il arrive à Bordeaux? Mais effectivement, je me dis que c'est un bon coup pour les Girondins de Bordeaux, c'est un bon coup pour la Ligue 1, puisque c'est un entraîneur qui a beaucoup voyagé, qui a mis en place des idées assez affirmées dans plusieurs championnats, et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner à Bordeaux, surtout qu'il arrive au moment où il y a un projet qui se met en place, donc lorsqu'il arrive, effectivement, c'est plutôt intéressant d'avoir pensé à lui et de lui donner les moyens, puisqu'on vu qu'il est venu avec un staff élargi, donc au début en tout cas ça se présente bien pour quelque chose d'intéressant avec lui. Et au final, là aujourd'hui, un an après, tu dresses quoi comme bilan sur le jeu, hein? On parle que du jeu pour l'instant. Sur le jeu, oui, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit précédemment. C'est vrai que par moment on a des bonnes choses, des choses intéressantes. On va oublier les premières semaines où il a vraiment occupé de faire un état des lieux complet de l'effectif, mais on pense que sur la période octobre-novembre, on a vu des matchs vraiment intéressants. Et puis surtout, intéressant, c'est qu'il a réussi à fédérer le groupe autour de lui. On voit vraiment que les joueurs sont solidaires, ont été impliqués par son projet. Donc ça, ça a été à mettre à son crédit. Après, au début, parce que effectivement. Maintenant, je les vois plus motivés. Maintenant, franchement, moi, je les vois plus motivés, les joueurs actuellement. Les derniers matchs que j'ai vus, je les voyais plus dans le truc. Hein. Dès qu'il y avait des consignes, comme Saint-Etienne, au bout de 5 minutes, il demande un pressing, les joueurs ne le font pas. Ouais, Cédric, vas-y pour répondre. Que justement, il a pu se renoncer à son projet ambitieux. Et lorsqu'on part sur quelque
quelque chose de nouveau, sur quelque chose voilà, qui a donné envie aux joueurs, et qu'on fait un petit pas en arrière parce qu'on voit que ça ne marche pas forcément très bien ou qu'on n'a pas eu les ingrédients pour réussir. Peut-être que dans la tête de certains joueurs, je ne peux pas parler à leur place, mais il y a une sorte de déception de pas en arrière. Classique, ça les a déçus bon. Le dernier match. Ouais. Bon, Cédric, on t'entend vraiment pas bien. Je crois que t'es trop confiné. Ouais. Non, mais c'est vrai que ce qu'on dit sur les joueurs, ce que tu dis, et même, est-ce que tu crois, Flo, qu'il a perdu une partie de son groupe? Moi, je pense que oui, depuis le mois de décembre. Enfin, si on les écoute tous en zone mixte, ils vont nous sortir que clairement ils sont derrière le coach à 200%, que il y a pas plus tard qu'il y a quelques il y a quasiment un mois et demi, Benoît Cossil arrêtait pas de dire aller faire corps derrière Paulo Sousa et dire que c'était l'un des meilleurs coachs de Ligue 1 et que c'était exactement ce qu'il fallait à Bordeaux. Après, bon voilà, comme le dit là, je vais paraphraser Benoît Cossil, mais c'est vrai, comme il l'a toujours dit depuis le début de la saison, aucun match pour les Girondins de Bordeaux ne sera facile, parce que Bordeaux n'a pas cette capacité, on va dire, à avoir de l'avance sur certains clubs de Ligue 1, et je pense que aussi l'appauvrissement, on va dire, de la Ligue 1 n'a pas... Est-ce que ça n'a pas arrangé les choses pour Bordeaux? Je ne sais pas. Après, voilà, on voit qu'il y a moins d'écart qu'avec les petites équipes. Si on compare ça, il y a juste 7-8 ans, où pour nous, c'était des matchs, victoire quasiment faite. Des matchs contre Metz, des matchs contre Dijon, des matchs comme cela, c'est loin d'être des parties de plaisir finalement pour les Girondins de Bordeaux. Et donc voilà, après, concernant Paulo Sousa et sa philosophie de jeu, moi je pense que ça serait bien de travailler avec lui sur un peu plus d'une saison et demie. Mais après, bon voilà, peut-être que lui aussi en décidera complètement autrement et voudra sans doute partir. Après, moi, j'ai pas l'impression, la sensation que les joueurs ont lâché le coach, partie, entre guillemets. Une partie, une partie juste. Ouais, une les partie. Les Camano, les Calou. Laquelle partie, en fait? C'est ça, moi, je pense. Voilà, laquelle de partie? Parce que si c'est le moyen de dire, je suis pas sûr. La plupart des joueurs qui jouent pas. Les Ceux qui jouent pas. Non, mais voilà, laquelle, c'est quoi? C'est les jeunes. Donc Ben Raoult, de toute façon, il peut relâcher le coach. Le club l'a lâché, donc il est plus là. Et je le regrette en partie. Attends, mais pourquoi le club l'a lâché, à ton avis? Ah non, mais ça, après, c'est un débat. Mais c'est le choix de Paulo Sousa. C'est comme Vada s'encarrer au début avec ce fameux loft aussi. Hein. Oui, bon, Vada, pour le coup, c'est le football qui a choisi pour. Non, mais en parlant des joueurs de l'effectif d'aujourd'hui, là. Donc moi, je pensais à Camano, à Kalou. Non, mais c'est qui? C'est Adli et Maja. Moi, je pense pas qu'ils aient lâché. Ils jouent moins, oui. Mais à un moment donné, c'est des mecs qui n'étaient pas programmés pour être titulaires dans un club des 5 grands championnats européens. Pour l'instant. Je pense à Mécher aussi. Qu'est-ce qu'on en sait? On les voit pas assez pour savoir. Moi, je pense à Mécher. Mécher, il fait quand même une bonne prestation contre Saint-Etienne. Hein. Oui, Mécher, contre Saint-Etienne, il est bon. Contre Nantes, il rentre, il est bon. Enfin, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il est bon. Mécher aussi, il faut se rappeler qu'à un moment donné, il y a eu des périodes à Rennes, où, notamment l'an dernier, où pendant 10-15 matchs, il jouait pas parce qu'il y avait des mecs devant lui. Mécher, alors oui, c'est un entraîneur. C'est un entraîneur, pardon, lapsus. C'est un joueur qui, effectivement, a de la bouteille en Ligue 1. Mais ça a jamais été un des meilleurs joueurs à son poste du championnat, ni un titulaire indiscutable dans son club. Donc s'il n'est pas un titulaire indiscutable à Bordeaux aujourd'hui, quelque part, moi, ça me rassure encore un peu. Parce que s'il n'était pas à Rennes, même quand Rennes était, on parle pas que du Rennes de la saison dernière, on parle du Rennes d'avant. Donc c'est des joueurs qui sont habitués quand même à savoir, entre guillemets, comme dirait Didier Deschamps, à savoir faire vivre un groupe et lui permettre de bien vivre. Donc moi, aujourd'hui, je vois pas. Alors, peut-être qu'il y a une partie du groupe qui a lâché Sousa, je vous avoue que j'en sais rien. Mais c'est pour ça que je pose la question, quelle partie, quel type de joueur aurait pu le lâcher? Parce qu'aujourd'hui, à part Adli et Maja, mais je pense qu'à un moment donné, ils sont assez, j'ai l'impression en plus qu'ils le sont, assez jeunes et déjà responsables pour comprendre que ça va venir, qu'il faut du temps. À part ces joueurs-là, je ne vois pas qui a pu le lâcher. Regarde la gueule de Koscielny. Si Pungé, il a lâché le coach, j'ai envie de te dire...
Non, mais après, on a un exemple quand même sacrément concret cette saison. C'est quand même le cas Thomas Bazic. Thomas Bazic, il faut rappeler quand même que le joueur ne jouait que très peu en début de saison. Et finalement. Il a eu du temps de jeu entre la deuxième journée et la 18e. Et il a fait un travail de foncier énorme. Il a fait un travail supplémentaire aussi avec Paulo Sousa sur certaines aussi séances d'entraînement. Il n'a rien lâché. Et maintenant, c'est un joueur titulaire. Alors. Après, on peut toujours dire oui, mais il est titulaire maintenant parce qu'on a Aurélien Tchouaméni qui est parti et qu'on n'allait pas véritablement le remplacer. Mais il a su saisir sa chance, au moment opportun. Donc voilà, il y a des contre-exemples. Lui aurait pu clairement lâcher le coach et peut-être partir cet hiver, par exemple. Cédric, pour te libérer, parce que comme tu es au téléphone, est-ce que la philosophie de jeu de Paulo Sousa aujourd'hui elle est adaptée à l'effectif des Girondins de Bordeaux, et pour toi est-ce qu'il a dû renier ses principes pour essayer d'obtenir des résultats? Voilà. Je pense effectivement qu'il a renié une partie de ses principes parce que il n'avait pas les joueurs, parce que la situation, il ne faut pas oublier que fin janvier, avant d'aller à Nantes, au Bordeaux est 14 ou 15e. Donc, ils n'étaient pas sous la menace directe de la relégation, mais la saison commençait à glisser dangereusement. Donc, il a renié ses principes pour prendre des points, pour remettre peut-être aussi des principes un peu plus simples pour essayer de redonner confiance à certains joueurs. Et pour revenir sur le côté, est-ce qu'il a perdu son vestiaire? Je ne pense pas. Je pense que les cadres sont toujours avec lui. Après, un entraîneur fait difficilement l'unanimité sur une saison auprès de tous les joueurs, et ceux qui jouent moins, c'est plus compliqué de les garder sous pression, surtout que Paulo Sousa n'est pas du genre à faire un gros turnover. Il aime bien s'appuyer sur un noyau de 12-13 joueurs vraiment socle, et puis après de donner beaucoup moins de temps de jeu aux autres. C'est vrai. Est-ce qu'il faisait ça dans ses clubs précédents? Tu le sais? En tout cas, à ce point-là, j'en suis pas sûr, mais s'appuyer vraiment sur une base, sur un noyau dur de 6-7 joueurs, ça oui, ça il a fait tout le temps. Il aime avoir des automatismes auprès de ses joueurs. C'est quelque chose d'important pour lui, oui. Ok. Bon, Cédric, on te remercie. Merci donc à Cédric vous. Canalé de Sud-Ouest. Mais écoute, on se reverra certainement dans d'autres conditions, j'espère. Ah, ben avec plaisir. À la en conférence de presse. Ouais. Attends. Allez. Attends. Exactement. Ouais. Mais alors, j'ai envie juste un mot sur sa communication, puisque les conférences de presse, tu es comme Florian, tu les fais toutes. Tu vois, je voulais te laisser partir, mais non. T'as encore 5 minutes. Allez, magnifique. Je reste avec vous. Allez, 5 minutes, après on te libère. Juste sur sa communication. Donc là, Sousa, comme Florian, hein, tu l'as toutes les semaines devant toi, avant le match et après le match. C'est quoi comme communicant? Tu le juges comment, ce coach? Alors, un excellent communicant qui prépare ses conférences de presse. Il vit avec un carnet. Il sait ce qu'il veut dire. Après, bien sûr, il connaît pas les questions, donc il peut être surpris par certains thèmes, mais en tout cas, il a des idées précises, et il utilise les conférences de presse aussi pour faire passer des messages, pour que ce soit son vestiaire, que ce soit ses dirigeants, que ce soit l'extérieur. C'est quelqu'un qui vraiment a compris l'importance de la communication et la gère très bien. Flo? Oui, non, globalement c'est ça. Après c'est vrai qu'il prépare énormément, et enfin, moi c'est on en avait parlé lundi dernier déjà, mais c'est vrai que cette conférence de presse du 31 janvier il voulait clairement faire passer son message sur le mercato, et puis après sans doute s'en aller parce qu'il voyait pas d'autres choses sur lesquelles parler. Après moi sur sa communication, il y a pour moi rien à dire, dans le sens où je la trouve, elle est très 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 italienne dans beaucoup de termes qu'il utilise, que ce soit l'histoire des protagonistes du processus, aussi de parler de mentalité gagnante aussi. Donc c'est, on voit qu'il y a, voilà, moi je trouve que déjà avant qu'il signe à Bordeaux, j'adorais déjà ses prises de parole en après-match, notamment sur la Sky. Énormément, il dégage énormément de charisme, de sérénité, et donc voilà, franchement je pense que si un journaliste dit qu'il s'ennuie en conférence de presse avec Paulo Sousa, c'est quand même un peu, je
jeter un petit quelque chose, parce que c'est pour moi quand même, quand on voit ce qu'on a eu par le passé, notamment pas plus tard que les deux dernières saisons, allez, les deux dernières saisons et demie, avec que ce soit Jocelyn Gourvennec, bon, il y a eu Gustavo Poyet qui est passé par là, donc on a eu quelqu'un de très enflammé assez régulièrement, mais moi je trouve que au niveau de sa communication, alors Cédric, tu me corrigeras si je me trompe, mais je trouve que honnêtement il est plus dans la recherche de son vocabulaire ces derniers temps. Alors est-ce que ce mercato qui a été un peu bizarre, ce mercato d'hiver, est-ce que ça l'a pas un peu touché clairement, à tel point qu'il y a des moments c'est pas qu'il est incompréhensible, mais il cherche ses mots, et ce qu'il ne faisait pas sur les 4-5 premiers mois. Moi j'ai cette sensation là, et c'est pour ça que moi j'arrête pas de dire depuis quelques temps que à mon avis il fait la saison et puis après il s'en ira, parce que j'ai l'impression qu'il est moins engagé dans le projet que ce qu'on a pu voir il y a 3-4 mois de ça. Après sur ça, attention, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout en ce moment, tout va être mis en stand-by. Je pense que voilà, les joueurs qui avaient prévu de quitter leur club cet été, les entraîneurs, les machins, les ci, les là, vu comment tout va devoir être réorganisé et l'euro repoussé d'un an, il se peut que beaucoup de choses changent. Donc on verra. Mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi sur la communication depuis un ou deux mois. On le sent. Bon, après, en même temps, on a appris que le club avait décidé d'avoir un droit de regard sur tout ce qu'il disait, donc je peux comprendre qu'ils soient un peu plus méfiants, mais surtout c'est vrai qu'il a l'air un peu plus, il me rappelle un peu Emery après la remontada, Thomas Tuchel avant le match contre Dortmund. C'est voilà, peu d'efforts pour être le plus clair possible, comme s'il y avait une volonté de laisser un peu de flou, et c'est vrai que ça ajoute ça ajoute au fantasme de se dire que bah, son groupe l'a peut-être lâché, qu'il y a un gros problème avec la direction, qu'il va sûrement partir, que à Bordeaux rien ne va. Donc c'est vrai que on a le sentiment que, et c'est peut-être totalement imaginaire, hein, mais on a le sentiment que dans sa communication, il a envie de faire passer aussi un message pour faire comprendre qu'aujourd'hui à Bordeaux c'est un grand n'importe quoi, et qu'il sait pas, et que lui à l'image de tout le monde ne sait pas. Ne se projette pas, n'arrive pas à se projeter en tout cas. Cédric, je crois qu'il t'avait posé une question, Flo, avant qu'on te libère. Qu'est-ce que t'avais posé comme question à Cédric? Mais non, mais justement, par rapport à cette communication, moi j'ai la sensation qu'il est... Est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en suis pas sûr, mais on a l'impression que ouais, qu'il cherche beaucoup plus ses mots et qu'il est moins compréhensible et que ces derniers mois, quoi, tout simplement. Et surtout, que bon, on aime, on n'aime pas, que ce soit la façon de jouer ou tout ça de Paulo Sousa, ça. Mais on parle beaucoup de football. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il aime parler football. Et effectivement, depuis quelques semaines, il parle moins de football parce que il est moins ambitieux dans le jeu. Et lors des conférences de presse, ça se ressent aussi, que ce soit avant ou après les matchs, même lorsqu'on lui pose des questions sur le jeu, il est beaucoup moins volubile là-dessus. Et oui, il cherche un petit peu plus ses mots sur autre chose. Peut-être qu'il fait un peu plus attention également à certaines choses qu'il veut faire passer. Donc oui, il est peut-être un petit peu moins intéressant aussi sur ce point de vue-là. Tiens, il y a une question sur le chat, mais c'est pour toi Cédric et pour toi Flo. Pourquoi il n'est jamais interrogé sur son intéressement à la vente de joueurs par exemple, en conférence de presse? Est-ce qu'on lui a déjà posé la question? C'était l'équipe qui avait sorti l'information. J'ai pas le sentiment que ça a été dit. Ouais. Est-ce que, alors c'est vrai que les sujets un peu, tout ce qui est financier qui sortait récemment, c'est vrai qu'il n'est jamais confronté à ça en presse. C'est trop délicat d'aborder ce sujet avec lui en conférence de presse. Selon moi, ce n'est pas le lieu, une conférence de presse, puisque c'est quelque chose qui rassemble tous les médias. Donc parler de ça avec lui à ce moment-là, s'il y a vraiment des... Voilà, s'il y a vraiment des informations lourdes qui tombent là-dessus, oui. Mais tant qu'on est au stade des on-dit, des rumeurs, c'est pas le lieu. En revanche, un entretien individuel, là, ça peut être une question qui peut être posée. Parce qu'on a le temps, on peut relancer, on peut en parler. La conférence de presse, c'est plus quelque chose pour parler du match, pour parler de l'actualité courante.
Ok, bon, ben parfait, impeccable. C'est au club de répondre à ça, Nico. De toute façon, c'est pas Paulo Sousa hein, de parler de son contrat. C'est le club qui lui a offert un contrat. Oui, oui, c'est pas lui qui a écrit un contrat. Hein, donc, oui, non, mais c'est une question qui a été posée donc, sur le chat. J'ai vu la question passer sur le chat, mais moi, je vais dire quelque chose qui me regarde, bien sûr, qui n'engage que moi. Mais heureusement que les journalistes qui suivent le club parlent de football avec Paulo Sousa et évitent de nous faire des conférences BFM Business alors qu'ils n'y connaissent rien. Donc moi je trouve très intéressant la couverture qui est faite et surtout pas aller commencer à paralyser le débat et les conférences de presse avec des questions qui ne concernent pas soit le match qui arrive, soit le match qui vient de se passer, soit la forme actuelle des joueurs. Heureusement qu'on ne se met pas à parler de tous les problèmes de King Street et GACP dans les conférences de presse, bah, sinon non seulement elles seraient inaudibles, mais en plus de ça on en aurait plus très rapidement vu la gestion assez dictatoriale qu'il y a au club. Oui, et c'est vrai qu'avec Paulo Sousa on parle beaucoup de jeux, ce qu'on ne voyait plus à Bordeaux. Voilà. C'est ça. Exactement. Bon, merci Cédric d'avoir été avec nous. On te libère. Merci beaucoup. Merci, bon courage hein, pour ces vacances particulières. Bonne soirée, hein. Reviens quand tu veux, quand t'as envie. Merci. Allez, salut. Bonne fin d'émission. Ouais, merci. Bientôt. Au revoir. Salut. Joe, ça t'inspire quoi, Joe, tout ça là? T'as pas eu beaucoup la parole. Non, mais fais-moi déjà, je comprends pas comment on peut détacher l'intérêt économique et sportif de Sousa actuellement avec ce fameux pourcentage de contrat. Moi, je suis pas d'accord avec Samuel. Il y a un conflit d'intérêt sur son contrat à Paulo Sousa qui a été concrètement avéré avec le cas Houdin. Je pense que maintenant, il serait peut-être bien aussi d'expliquer certaines choses à ce niveau-là. Soit pour savoir si lui. Expliquer. Non, parce que là, c'est un intérêt sportif et économique de sa part. Tu vois, pour moi. Le choix qu'il a fait avec Houdin. Qui offre l'opportunité de l'avoir. Non, mais ça, on est d'accord. Mais le choix qu'il a fait avec Houdin, c'est un choix qui peut-être sportif aussi, mais qui est aussi personnel. Dans un intérêt personnel. Pour moi. Quand on a vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit derrière, je ne comprends pas pourquoi personne ne lui en parle. Moi, concrètement, je ne comprends pas. Parce que ça permettrait d'expliquer certaines choses actuellement au club. Du fonctionnement, en tout cas. Moi, je pense, c'est pas pour faire du football fiction, mais je pense qu'il nous renverrait directement. Si un journaliste ose poser cette question-là, je pense qu'il nous envoie directement dans nos 22 déjà. Et, et il va nous dire allez poser la question par rapport à mon contrat, allez poser la question à Frédéric ou à Eduardo. Voilà, moi je pense que c'est comme ça que ça se passe. Oui, donc c'est dédouané. Par rapport aux installations, quand il dit on a perdu parce que. Et il a raison. Sont pas bons, parce que la direction, voilà, machin, tout ça. Je me mets bien du côté des supporters. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi Paulo Sousa a du mal à communiquer, mais quand tu te mets ta direction à dos, forcément, il s'est vachement dédouané sur beaucoup de matchs. Moi, sur cet exemple précis des transferts et de son contrat et des intérêts qu'il a, le pourcentage, notamment à la vente de joueurs, etc., moi, j'ai encore une fois, je te le redis, alors je te dis, je ne défends pas cette possible clause, etc. Au contraire, je ne la défends pas. Je trouve comme toi que c'est pas honnête. Mais comme on en discutait déjà dans les talks précédents, malheureusement, ça devient une normalité, ça, dans le foot, ce genre de clause avec les entraîneurs. Et deuxième chose, encore une fois, le problème, il vient du club et c'est le club qui doit répondre. Pourquoi ? Parce que c'est le club qui a décidé, à tort ou à raison, ça l'avenir nous le dira, que Paulo Sousa était le capitaine et le maître à bord du projet sportif et qui a décidé pour l'inciter, moi j'imagine, en tout cas c'est mon interprétation, pour l'inciter à ramener beaucoup de jeunes, à ramener beaucoup de joueurs de son réseau et faire du trading parce que ce qu'ils aimeraient, c'est que parmi les jeunes qui ramènent, il y en ait un, il y a la poule aux œufs d'or qui vaille 40, 50, 60 millions, qui lui a autorisé ça et qui lui a mis cette clause dans son contrat. Donc lui, quand un matin il dit que selon lui, un Rémi Houdin, c'est le joueur qu'il lui faut, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais s'il estime que c'est ce qu'il faut faire et qu'après, dans le transfert de Rémi Houdin, il y a des trucs qui ne sont pas nets, et ça, on le sait plus ou moins tous, c'est possible qu'il y ait des trucs pas nets, mais c'est le club qui a accepté ça à la base. Et c'est le club qui a mis ça en place, c'est le club qui a permis à l'agent de Sousa d'aller s'occuper du transfert de Houdin. Ce que je veux dire, c'est que Est-ce que le club a eu le choix, je suis d'accord avec toi. C'est le club qui a validé. Enfin, à un moment donné, Non, c'est parce que Paulo Sousa a menacé le club à ce moment-là, apparemment. Ah oui, après, je suis désolé, Joe, si t'es suffisamment en position de faiblesse pour pouvoir te faire menacer par tes employés, c'est peut-être que t'as mal fait ton travail juste avant. Ça, on est d'accord, moi, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, c'est le club qui est en première ligne, et je comprendrais parfaitement, comme le dit Flo, que Sousa, il renvoie les journalistes dans 22, et qui dit, vous appelez Frédéric, vous appelez Massia et vous leur demandez pourquoi ça se passe comme ça. Et après, ce sera au club d'avoir une explication cohérente. Parce que si moi, le club m'explique que Sousa a choisi et qu'ils ont dit oui,
Eh ben moi, je vais te dire, Souza, il a raison, même si c'est malhonnête. Il y a peut-être une autre question à poser par rapport à Oudin. Pourquoi investir 10 millions d'euros sur un joueur quand tu sais que tu as besoin de plusieurs joueurs dans ces cas-là? Allez. C'est notre discussion et là, on est d'accord. Ouais, mais voilà, ça peut amener autre chose. On accueille monsieur Gino Forte. Salut Gino. Salut Gino. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça va, bon, impeccable. Et vous? Ben écoute, ça va. Ça y est, avec ce parfaitement. C'est un peu bizarre comme condition d'émission, mais bon, écoute, on s'adapte. On essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter en tout cas. On est sur la communication. Ce qui soulève là comme point, Joe, est dans l'interview. Alors, je vais encore en parler. Je suis désolé, je fais que parler de ça depuis les deux émissions. Mais Jean-Yves de Blasis, il me disait, donc l'ancien joueur des Girondins, il me disait, moi, je sais pas aujourd'hui quand j'analyse l'équipe si le coach il fait jouer le joueur parce que il a un intérêt économique à faire jouer ce joueur ou s'il fait jouer le joueur parce que le joueur peut faire du bien et aider l'équipe à gagner ou s'il le fait jouer pour les deux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'arrive pas à le croire. Alors, j'étais complètement d'accord pourtant avec Joe sur la question précédente, notamment de la transparence. Moi, j'appellerais ça plutôt de Souza et de son contrat parce que c'est quelque chose qui devrait être... À mon avis, si c'est acté, le fait qu'il touche un pourcentage, moi, ça me choque personnellement en tant que supporter. Et j'ai beau apprécier Souza et tout ce qu'il met en place. Je pense que dans le foot, on peut pas être partie prenante en tant qu'entraîneur et toucher des royalties, on va dire, sur les transferts des joueurs. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ils le font tous, Gino, ils le font tous. Oui, mais ça n'a aucun sens. Après, c'est un discours que j'ai, moi, dans le foot. Mais moi, pour moi, ça ne devrait pas exister. Après, c'est personnel. Ah, ça, on est d'accord. Et pour moi, dans un club... Un entraîneur, il est de passage, pour moi, et on le voit dans le foot moderne, un entraîneur, c'est souvent de passage. Donc le fait qu'il puisse se rémunérer sur des ventes de joueurs et tout, moi, ça me choque et ça l'inscrit pas totalement dans un projet sportif. Donc pour la transparence de la chose, je rejoins un peu le discours de Joe, j'aurais préféré que Souza ait l'occasion de répondre, ou le club, comme vous l'avez dit, c'est pas idiot aussi, que le club ait eu la question et ait répondu à cette question. Ce qui n'a pas été le cas et ce qui laisse un flou, pour moi, qui n'est pas bon. Après, concernant Souza, j'arrive pas quand même à aller jusqu'à me dire qu'il met des joueurs en fonction de la vente supposée derrière et autres. Parce que, à mon avis, il se défoncerait totalement en tant qu'entraîneur. Et ce n'est, à mon avis, pas son sens premier du terme d'entraîner que de faire ça. Donc, pour moi, j'arrive pas à aller jusque-là. Pas autant que de Blasi pour me dire qu'il fait des compositions d'équipe en fonction des futurs transferts. Alors, il dit pas ça, mais il se pose la question. Il dit, est-ce qu'il... Oui, mais rien que se poser la question, c'est que tu induis le fait que Souza, vu tout ce qui se passe au club, et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, tu induis le fait que Souza fait ça. Mais il y a des cas qui sont aussi en paradoxe avec cet esprit-là, puisque Basic, c'est par exemple un joueur qu'on a ressorti du frigo quelque part et qui était au fond de la cave. Donc, il l'a bien fait, il a remis en scène à un moment donné. Moi, je pense que non, c'est plus par rapport au niveau de l'équipe. Par exemple, un joueur comme Briand, il sait très bien qu'il ne va jamais le revendre en pointe. Mmh. Oui. On est d'accord. D'accord. Par rapport à Maza. Mmh. Si on va sur le fond du raisonnement, Maza va plus te rapporter à la revente que Briand. Oui, tout à fait. Maza est arrivé avant. Ce raisonnement de ouais, mais Souza, il met des joueurs que par intérêt. Il se démonte en deux secondes. Donc, voilà le temps qu'il faut lui accorder. Voilà le temps qu'il faut lui accorder pour moi. Ça n'a aucune logique pour moi. Après, mais tu peux parler de Wang. Wang, c'est l'effet inverse. Il va le chercher. Tu te demandes aussi s'il l'aligne match après match alors qu'il est. Alors, on peut justifier qu'il soit aligné, mais bon, il ne fait pas des grosses prestations. Tu te dis, mais mince, quel est l'intérêt qu'il a à l'aligner? Bon, voilà, ça maintient le temps. Pourquoi il a voulu remettre Camano sur jambe quand il est revenu de son transfert avorté cet été alors que Camano, tout le monde sait au club qu'il n'y a plus rien à y jouer, le club voulait le mettre dans le loft. Je veux dire, il y a quand même plein de choix. Moi, je veux bien l'entendre. Il y en a des entraîneurs comme ça aujourd'hui qui parfois ne font jouer que leurs protégés ou les joueurs avec qui ils ont un agent en commun ou une société d'agents en commun. Mais aujourd'hui, quand on prend l'utilisation des joueurs à Bordeaux cette saison, à part effectivement deux trois cas suspects, notamment le cas Benanova, tout le monde a plus ou moins eu sa chance. Alors certains l'ont eu moins que d'autres ou ont eu moins de tentatives que les autres, mais tout le monde a eu plutôt sa chance et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des questions d'intérêt dans tout ça, moi. D'accord. Le truc, le cas, de... le, ca...
Le Cabellanova, juste pour te répondre, Samuel, mais enfin pour moi, Raúl Bellanova, bien que j'adore au préalable, mais il s'est tué tout seul, quoi. Arrivé à maintes reprises avec une demi-heure de retard, je sais pas si ton employeur, si t'arrives avec quasiment tous les trois matins, arriver avec une demi-heure de retard, je suis pas sûr qu'il veuille te conserver. Et là, ça a été le cas pour lui, malheureusement. Allez, on reste sur la com sur la communication de Paulo Sousa. Moi, j'avais noté en préparant l'émission qu'il était habile, qu'il maîtrisait bien le français et qu'il s'améliorait même avec un vocabulaire plutôt développé en français, qu'il était pédagogue, qu'il expliquait tout ce qu'il faisait et il rentrait dans le détail. Et je trouvais que c'était habile de sa part parce qu'en donnant du sens à sa méthode, il fait adhérer son auditoire à ce qu'il fait. Mmh. Voilà. Pas forcément. Ah bon? Non, regarde. Bon. L'auditoire, il y en a un, il n'est pas content. Non, c'est pas ça. C'est que dès qu'il est arrivé, qu'il disait à Bordeaux, on va retrouver du beau jeu, du machin et tout ça, il les a vendus du rêve d'entrée. J'ai fait, écoute, fais un constat d'abord et après on verra. Moi, pour moi, c'est un charmeur. Ça a toujours été un charmeur. Il a une méthode très politicienne dans son discours. Tu vois qu'il essaie de charmer les gens, il va tout expliquer, tout détailler. On va lui poser une question, il va la reprendre, il va un peu parfois la détourner, il va partir sur autre chose pour dire voilà, moi je vais plutôt amener ça comme ça plutôt que de prendre ça au premier degré, etc. Tu sens qu'il est très malin dans ce qu'il fait, concrètement. Et moi, ça me rappelle certains discours de politiciens, etc. Pour moi, parfois, tu vois une personne, mais derrière, tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a, tu vois qu'il cache certaines choses derrière. Il y a beaucoup de flou pour moi sur cet homme-là. Je ne vois pas, dans son parcours en tant que joueur, oui, c'est un joueur qui est international, qui a fait les plus grands clubs, qui a gagné la Ligue des Champions. Il n'y a aucun problème. Le mec, il est là, tu sais, voilà, il en impose, il n'y a pas de problème. En tant que coach, j'ai beaucoup plus de doutes, moi, personnellement, parce qu'il y a des choses qui me font penser qu'il noie un peu le poisson sur certaines choses et que, comme il est très pragmatique, même quand il a tort, j'ai pas l'impression qu'il va l'admettre toujours. Il va parfois dire c'est la direction, c'est la faute des terrains. Là, il y a un conflit entre les supporters et la direction. Là, en ce moment, cette année, c'est très bien pour lui parce qu'il y a du bordel partout autour de lui et des joueurs. Donc, c'est facile pour l'instant de dire c'est pas Sousa, etc. Moi, il y a des choses qui me gênent un peu plus parce que quand je regarde le terrain, offensivement, je ne vois rien, par exemple. Mais moi, quand je regarde le terrain, je repense à la dernière saison de Sagnol parce qu'en termes d'effectifs, pour moi, c'est l'année où c'était l'année où on était quasiment aussi limité qu'aujourd'hui, même si on avait quand même sur une demi-saison, on avait quand même eu Cazerie et CV en plus. Mais c'était l'année où on n'avait aucun futur crack comme on a pu avoir les années d'après avec Malcolm, aucun joueur, on va dire, en forme qui marchait sur l'eau, même Cazerie, Diabaté, CV, c'était assez limite. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là où on était vraiment, selon moi, en termes d'effectifs, aussi limité que cette année? Mais qu'est-ce qui s'est passé à la mi-février? On a dû virer Sagnol parce qu'on était 15e de Ligue 1. On prenait 4-1 tous les week-ends à la maison. C'était une belle manière. Rappelle-toi du mercato d'hiver. Tu perds ton joueur le plus performant et après tu récupères Malcolm qui a 18 ans. Je sais plus quoi. Baradoni qui n'était pas au niveau. Et Debuchy. Aujourd'hui c'est clairement. C'est un autre mercato. Oui, mais on est d'accord que c'est un autre mercato que les deux mercatos que tu viens d'avoir. Tout ça pour dire que cette année-là, tu finis in extremis 11e parce que Ramé arrive à redresser vite fait la barre sur la deuxième partie de saison. Je trouve quand même que cette année, on a évité ce scénario catastrophe-là et que, notamment dans la mentalité, c'est parce qu'on a vu des joueurs qui, même si c'est loin d'être parfait et que c'est même à certains moments catastrophique, on a vu des joueurs quand même qui étaient un peu plus investis, qui avaient l'impression d'avoir une feuille de route un peu plus. Au début, mais là, depuis janvier, moi, je vois pas. Aujourd'hui, s'il n'y a pas les résultats, on voit les déclarations à chaque fin de match, les déclarations, et Flo, il est mieux passé pour nous le dire, les déclarations en zone mixte, les mecs te parlent constamment de ce wagon de tête qui va jouer la 5e, 6e place, et te dit constamment qu'avec tout ce qui est fait à l'entraînement la semaine, c'est pas normal de faire ça en match. J'ai rarement vu des joueurs avoir un discours, comme on peut en avoir de temps en temps en Ligue 1, en disant. En gros, en mettant plus ou moins la faute sur l'entraîneur, on ne comprend pas ce qu'on nous demande. Ça n'arrive jamais. Mais avec Gourvennec, c'est pareil à la fin. Si ça arrive, je peux te dire. Avec Gourvennec, c'était pas ça. Hein. Quand tu posais des joueurs avec Gourvennec, mais tu rigoles, les derniers mois de Gourvennec, les dernières interviews, les comportements de Malcolm, de Cafu, d'Otavio. Les comportements, oui, mais après, même face au micro, c'était pas ça. Dans les interviews, après, je crois que c'est le match à. C'est Dijon, ouais, le 3-2 avec le but de Malcolm, avec l'extraordinaire. Ouais. À la fin du match,
je sais plus qui était venu au micro, où ils disent eh ben on comprend pas. On comprend pas comment on a perdu ce match-là. Ouais, on a mis ce qu'on avait à mettre en place, mais on sait pas si ça a bien marché. Tu sentais que les mecs étaient dans un flou. Là déjà, moi, j'ai l'impression que Essouza dans sa communication et les joueurs dans la leur, on a l'impression déjà que eux sont quand même conscients qu'il y a une feuille de route. Elle est pas respectée et elle est pas abondante, permettez-moi l'expression, mais il y en a déjà une. Et moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre avec beaucoup de détracteurs de Souza. C'est que parfois, j'ai envie de me dire, alors je suis d'accord sur beaucoup de points, notamment sur le jeu et l'application des idées, mais sur, on va dire, d'habitude, on a toujours l'impression d'avoir un flou autour du projet de Bordeaux. Là, il y a un projet. Là où on sait où on doit aller, on n'y arrivera sûrement pas, mais on sait où on doit aller, on sait comment on veut y aller. Marchera, marchera pas, on jugera à la fin, mais déjà, on sait et on connaît le procédé. Moi, ça me rassure déjà un peu plus. Allez, quelques Moi, je veux juste rajouter un truc par rapport à ça. La communication de Bordeaux avec les Américains a grandement changé. Attention, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Maintenant, tu sais que tout est drivé, depuis que les Américains sont là. Même Flo nous a expliqué les conférences de presse comment ça marchait. C'est plus du tout la même chose qu'il y a un an et demi. Attention. Donc forcément, peut-être que les joueurs aussi sont éduqués à certaines choses. Et moi, je le pense. Des réactions sur le chat. Gino, t'es toujours là ? Ouais, parfait. Il y a François Pignon qui dit « Nico, je comprends pas que tu appuies autant sur sa com, c'est sa principale qualité. Voilà le problème, ça cache tout le sportif. » Oui, on appuie sur la com justement parce qu'il communique, on trouve très bien. Alors après, Tout le monde est amoureux de Souza, même Pierre Ménès. Moi, ça m'a scotché quand il est passé au Canal Football Club. Pierre Ménès était absolument amoureux de ce mec. Après, il y a Drive qui dit... Il y a Drive qui dit. Il y en a qui lui ont tapé dessus quand même. Ouais, juste pour finir. Juste pour finir avec les réactions sur le chat de ceux qui nous regardent. Souza qui. Il y a Drive qui dit Souza profite du contexte pour se dédouaner. Sans le contexte, il serait dans l'œil du cyclone. Souza ne porte pas plus que les coachs qu'il y a eu avant et il touche 10 fois plus de thunes. Bon, voilà les réactions. Hein. C'est encore le débat. Voilà. Après, sur la com, je pense qu'on a raison de s'y arrêter. C'est des arguments sportifs, quoi, ça. Oui, mais sportivement, c'est le pire entraîneur au nombre de points par match des 10 dernières années des Girondins de Bordeaux, Paolo Souza. Par contre, c'est vrai que c'est un constat, oui. Par contre, en termes de points par match, il a 1,20 points. Le problème, c'est que tu comptes la fin de la saison dernière. Quoi. Voilà. Et pour moi, il est là le facteur du problème. C'est que pour moi, c'est ses stats, elle est. Pardon, Nico, mais elle est. Pour moi, elle est inutile et dans le sens où finalement ton club a été un laboratoire la saison dernière. Tu as eu des tests, je ne sais pas si vous vous rappelez quand même à Saint-Etienne, on a eu droit quand même à une défense Alexandre Loré, Koundé et Til Sissoko. Si ce n'est pas expérimental, ça je ne sais pas ce que c'est. Et donc voilà, tu tentes des trucs, tu tentes des choses, tu te dis bon à Caen tu vas peut-être perdre. Finalement, hasard de dingue, tu arrives à gagner sur un but de Younous Sankaré, comme quoi tout est possible dans ce monde. Donc voilà, et malheureusement, je pense que ce stade, alors effectivement, elle sera toujours là, elle sera toujours présente, mais pour moi, elle est erronée dans le sens où il a testé des choses et où il a mis des mecs sur le bas-côté et qu'il a dû le faire pendant une saison sur 2-3 mois, quoi. C'est vrai que si on prend la saison en cours, il a 1,32 points par match. Alors, faudrait regarder comment il se situe. Oui, Gino, tu voulais ajouter ? Ouais, le contexte. Après, est-ce que tu peux vraiment en sortir cette stat et te dire que le contexte influe aussi grandement ? T'as jamais connu un contexte comme ça au niveau du changement du club, du propriétaire, du stade qui est très problématique quand même au niveau du soutien. Il y a une guerre ouverte entre la direction et les supporters. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, est-ce que tu peux l'accabler d'être le pire entraîneur de l'histoire des Girondins et te référer qu'aux chiffres ou avoir une vision un peu plus globale et un peu plus élargie en te disant que peut-être le bonhomme est pas si mauvais que ça ? C'est les mêmes qui rêvent de Poyet jour et nuit alors que Poyet, il a juste récupéré le cadavre de Gourvennec, il lui a mis un peu de maquillage, il lui a mis un bâton pour le dresser un peu haut, et il l'a mis dans une soirée, il a dit il va faire bonne figure. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait rien. Autour en Ligue 1, il n'y avait rien. Toi, tu avais un joueur de classe mondiale qui s'appelait Malcolm, et tu avais une défense bétonnée à 3, et Meïté Lerrière qui récupérait tous les ballons, et tu as fait 6e sans
sans savoir comment. Et on te dit, ah, Payet, c'était génial. Alors que sincèrement, c'est peut-être les pires matchs que j'ai vus des Girondins. Les matchs le dimanche à 15h à Montpellier, la victoire 3-1 à Saint-Etienne, où tu gagnes sur une frappe ratée de loin, un but de Koundé. De Malcolm, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, il frappe de Malcolm, magnifique. Ah. Non, de classe mondiale, hein. Non, mais si t'as un gardien, si t'as un gardien qui se sert de ses yeux, la frappe, elle rentre jamais. Donc, je veux dire, on s'était régalé avec Payet alors qu'on avait rien vu à part avoir battu 4-2 Toulouse à l'avant-dernière journée. On s'est, et 4-0 à Metz à la dernière où les mecs étaient en Metz, ils étaient venus en chaussons, en slip et avec leur jet douche Ushuaïa. On s'était régalé donc avec Payet alors qu'il avait rien montré et qu'il s'est barré comme un lâche. Faut le dire aussi parce que tout le bordel. Pourquoi aujourd'hui Souza il a un bilan qui est catastrophique à Bordeaux? Pourquoi l'an dernier il a eu 8 matchs, 9 matchs catastrophiques où il devait essayer de faire des tests? Parce que Payet, en plus du contexte au club, hein, c'est pas le seul responsable, loin de là, on va pas me faire. Non, tu vas pas mettre ça sur Payet, quoi. Non, non, bien sûr, mais il a créé aussi un bordel ambiant, notamment lors de son départ en août l'an dernier. Ricardo, derrière, il y a eu un choix incompréhensible où il est arrivé, il a fait n'importe quoi parce qu'il n'avait pas les épaules et il n'avait même pas le droit d'être l'entraîneur. Et Souza, il s'est retrouvé avec tout ce bordel cet été. Et on dit, ah ouais, mais attendez, Souza, donc les 3 mois l'an dernier, c'était catastrophique. Et puis, il a eu 1 mois de préparation cet été. Comment ça se fait qu'on ne soit pas en Ligue des Champions alors qu'il a eu 1 mois de préparation? Mais c'est parce qu'un projet, les amis, et ça, on ne le comprend pas dans le foot français, et pourtant, Favre a essayé de donner 2-3 leçons, notamment quand il était à l'OGC Nice. Un projet, c'est sur 2, sur 3 saisons. C'est parfois avec 2 coachs. L'exemple de Nice, ça a commencé avec Puel, ça s'est fini avec Favre. Un projet, c'est long. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On est en mars, 9 mois après, on dit, ah, oh, on comprend pas. Alors moi, je suis le premier énervé. On gagne pas contre Dijon alors qu'on mène. C'est catastrophique et ça me fait chier, moi, le premier. Mais c'est parce qu'il y a aussi plein d'éléments extérieurs au club et qu'il faut attendre que ça se construise et surtout que ça s'assainisse. Pour l'instant, c'est ni construit, ni sain. Donc oui, on peut juger le bilan d'un entraîneur, comme le dit Gino, sans prendre le contexte. Mais si on prend le contexte, on se rend compte que le bilan, il est loin d'être dégueulasse. Et au contraire, qu'il a un avenir. Ce qui n'a pas été le cas de tous les entraîneurs qui étaient à Bordeaux avant Paulo Souza. Donc déjà, ouais, donc c'est... on a des bons joueurs, alors du coup, c'est juste le contexte qui fait que les joueurs sont mauvais. Ah non, on n'a pas des bons joueurs. Un projet, quand on dit un projet, ça se construit. Je sais pas. Alors pourquoi on pourrait pas dire qu'on a des coachs? On n'a pas des joueurs catastrophiques, on n'a jamais dit ça. Mais on a dit qu'aujourd'hui, en termes de répartition d'effectifs, on n'a pas ce qu'il faut où il faut pour avoir une équipe complète. On a des secteurs où on est très bien, notamment la défense, même si ça va un peu moins bien. Des secteurs où on peut être bien fourni, notamment en attaque, mais on n'a pas les joueurs qui sont là pour sublimer, pour mettre en valeur cet effectif et pour lui donner un liant. Notamment, c'est pour ça, moi je ne suis pas fan du style et du joueur, hein, mais Badel, il le voulait absolument cet été. Quand on voit ce qu'il essaye de mettre en place depuis le début de saison, moi je comprends parfaitement pourquoi il voulait un mec comme ça. Et ces joueurs-là. Pour les transitions. Il les a pas encore. Ah, pour oui, les transitions, effectivement. Et pareil pour les ailiers. Pareil pour les ailiers. Pourquoi il voulait. Pourquoi Benito, il y pensait plus comme un mec en centrale et qu'il a essayé d'installer notamment Kalou? Parce qu'il veut effectivement ces dédoublements sur les côtés. Il veut avoir du surnombre en attaque. Mais ça, on ne l'a toujours pas montré. Et je ne pense pas que ce soit que Souza le problème. Même s'il est responsable. Hein. Ne lui enlevons surtout pas sa responsabilité. Mais je pense que c'est un pot commun et qu'il y a contribué, certes, mais les autres ont une grosse partie du fromage quand même. Hein. Bon. Je suis en confinement, vous m'énervez un peu. Non, mais t'as raison. Tu mets 10 balles dans la machine, je peux partir. Hein. Bon, on est sur la com de Souza. Après, ce qui est dommage, c'est que tu parles d'un projet, effectivement, par rapport à ça. Tu dis, on oublie la fin de saison projet. De Souza qui a été catastrophique l'année dernière. Mais Payet est arrivé sensiblement à la même période aussi, après des catastrophes avec Gouvenec. Il arrive en mois de janvier. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais même. Non, mais attends, Payet est arrivé à la fin du mercato. Et il avait Malcolm dans son équipe. Voilà. Est-ce que Souza a joué à une qualité intrinsèque? D'accord, donc tu bases tout sur un joueur, toi, du coup. C'est-à-dire que si mais on fout, non, mais c'est bon, on est champion du monde. Mais non, non, mais non. En Ligue 1, on a bien vu qu'il y avait pas tous en même temps. Mais pour moi, si tu regardes bien sur le passage de Gustavo Payet, si tu regardes tous les matchs où justement Malcolm a eu une incidence assez importante, même s'il a eu un trou d'air aussi à un moment donné, les matchs où il fallait les gagner, tu les gagnes un peu grâce non, à non mais Malcolm. Ça je te dis pas le contraire, c'est pas ça que je dis, je dis juste que par contre Payet effectivement c'était pas beau à voir. Avec du temps, peut-être d'ici un an ou un an et demi, avec un projet long, à long terme ça aurait peut-être été mieux aussi.
Tu peux pas taper sur un coach qui est resté six mois, tu le bordel. Et t'as Souza, ça fait un an qu'il est là et tu vois pas d'évolution non plus. Donc à un moment donné, le projet, je vais attendre. Pas tous en même temps. Poyet, il a insulté tout le monde en conférence de presse pour un joueur qui a. Qui deux semaines avant, qui ne voulait même pas utiliser en attaquant de rechange, il avait préféré mettre le troisième gardien en pointe quand on était allé jouer à Mariupol. Et 15 jours après, il démissionne en conférence de presse, il claque la porte en tout cas parce que ce joueur est parti, alors qu'il n'en voulait pas. Hein. Deux semaines avant, quand on va jouer. Il n'a pas démissionné. Si... Hein. Oui, non, il n'a pas démissionné. Il a dit un peu ce qu'il fallait pas dire. Pourquoi il n'a pas démissionné? Parce que tu ne vas pas lui demander en plus. D'avoir du courage, monsieur. Tu vas pas lui demander en plus de partir et de s'asseoir sur ses indemnités. Là, le sujet, les gars, c'est Souza, c'est pas Poyet. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on reproche des choses à Souza depuis tout à l'heure dans sa communication, dans sa méthode de jeu, etc. Des choses qu'on n'a pas reprochées aux autres alors qu'ils ont fait 10 fois pire. Le seul tort de Souza aujourd'hui. J'ai pas dit que Poyet était bon en conférence de presse. Je parle pas que de toi, Jo, hein, bien sûr. On se parle toutes les semaines. Moi, je sais que t'es quand même assez mesuré. S'il y en a, c'est pas ton cas. Je comprends totalement ton point de vue parce qu'on peut ne pas être d'accord sur l'homme. Je comprends beaucoup moins certains points de vue qui nous expliquent que c'est pire que Toulouse, alors que les mecs ont pas gagné un match depuis le mois. Mais c'est ceux qui n'ont pas vu jouer Toulouse. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est ceux qui n'ont pas vu jouer Toulouse et quelque part, tu veux que je leur dise, ils ont raison. Pour le moral, c'est mieux. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de football pur, le seul tort de Paulo Souza, c'est d'avoir une équipe qui ne fait pas bander. C'est vrai, Bordeaux n'est pas excitant. Il n'y a pas de joueurs dans cette équipe. Comme des années, en fait, c'est le problème. Oui, je suis d'accord, mais comme on dit avec Flo, c'est que Malcolm, c'était le joueur qui pouvait prendre le ballon. On pouvait être dans un match horrible, rappelle-toi, notamment à Bordeaux-Saint-Etienne où il y a 3-0. Il prend le ballon à 25 mètres des buts, il se décale, bum, mine en lucarne. Aujourd'hui, à Bordeaux, tu n'as pas un joueur, sans aller jusque-là, qui peut te faire ça. Même un joueur, à un moment donné, dans le match, qui va prendre le ballon et qui va être à l'aise. Celui qui est le plus à l'aise techniquement, balle au pied pour, on va dire, amener du jeu dans l'équipe, être le patron de cette équipe, c'est Nicolas Depréville, qu'on a recruté il y a 2 ans pour être un neuf, et qui pendant 1 an et demi a été au placard et était à un moment donné 3e choix derrière Caramo, derrière qui c'est qui était devant lui la saison dernière, avec tout le monde en fait, à un moment donné, tout le monde était devant lui. Donc c'est pour dire Camano que... Camano aussi, parce qu'il Camano, joue à gauche, etc. À un moment donné. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le joueur qui à un moment donné dans le match doit prendre le ballon pour qu'il se passe quelque chose pour ton équipe, c'est Depréville. Donc à un moment donné, moi je veux pas dédouaner Souza parce qu'il a ses torts, mais c'est compliqué de dire que tu vas enflammer des matchs, qu'il y a des moments où tu vas pouvoir amener un second souffle à ton équipe, quand ton leader offensif c'est ça, ou même au pire c'est Yacine Adli qui fait sa première saison complète en Ligue 1. Ça me semble trop ambitieux. Voilà. Allez, on avance toujours sur la com pour terminer là-dessus. On peut dire que quand il a des choses à dire, il le dit, Paulo Souza. Comme tu l'as dit, Flo, et comme tu l'as dit, Cédric, c'est qu'il prépare ses interventions. Des fois, il a la question, on lui pose une question, et quelle que soit la question qu'on lui pose, t'as l'impression qu'il va caler le message qu'il avait envie de caler. Il parle beaucoup des supporters, la fierté, rendre fiers les supporters. Il fait beaucoup de références à ça. Et surtout. Il est fort. Et surtout, on l'a vu dernièrement. Il est fort, oui et non, parce que en fait, pour moi, je vais encore repasser son passé italien, mais je suis désolé, les tifosi à la Fiorentina, c'est ultra important, c'est ton 11e homme, et lui, il le fait. Bon, quoique Artemio Franchi n'est pas non plus. Comment ça, deuxième? Troisième. Même s'ils ont l'habitude de jouer à 10, c'est vrai, la Fiorentina, mais ça reste le 10e quand même. Mais non, mais tout ça pour dire que voilà, c'est il part d'une culture quand même qui est complètement différente avec l'italienne et la française, et c'est pour ça il garde aussi ses acquis sur certaines choses, et notamment les supporters, parce que lui il juge ça, que c'est quelque chose d'important, et partout où il est passé, du moins en tant que joueur et un peu moins peut-être en tant que coach. Parce que pour moi, par la Fiorentina, il n'a pas connu non plus des fervents supporters comme du côté de la Viola. Mais voilà, il doit se calquer sur une autre culture aussi qui est complètement différente. Parce que bon, voilà, tu vois, enfin, nous on a tendance à l'appeler le Jean-Louis II avec Monsieur Pietrelli, mais c'est totalement le cas aussi. S'il avait un stade déjà un peu plus rempli, etc. Déjà, il essaierait de moins motiver les troupes de supporters par rapport à ça, parce que moi je vais en revenir pendant 10 secondes là-dessus, mais il faudra qu'un jour
la LFP arrête de nous piper les dés par rapport à ses affluences. C'est clairement pas normal de voir 15 000 soi-disant supporters contre Nice alors que deux heures avant, il y a un match de l'UBB qui est ultra important et il y a 17 000 et nous on fait 15 000. Non mais faut arrêter. Et après derrière, tu te tombes sur, et d'ailleurs Samuel a très bien pu le constater la saison dernière, tu te tapes des matchs d'Europa League avec un match contre le Zénith qui est censé être l'équipe la plus grosse de ta poule avec 6 000 supporters dans le stade. Voilà. Ah, putain, donc il faudra qu'un jour la Ligue 1 arrête de piper les dés avec, en rajoutant tous les abonnés qui soient là ou pas là. C'est... Ce qui est bien, c'est que quand t'as un coup de téléphone dans le stade, t'as même pas besoin de te boucher l'oreille. Hein, t'entends. Ah non, non. Ça va m'emmerder. Hein. Bon, Gino, t'es toujours là ? Bon, ouais. Allez, Gino, on va voir le dernier point de la communication. J'ai donné la parole sur. On voit que là, il n'hésite pas à mettre devant ses responsabilités aussi la direction du club, notamment sur les terrains qui sont pas encore refaits. Je vois Florian qui va vouloir parler de quelque chose. Les terrains qui sont pas encore refaits sur le mercato. On voit que le matin, conférence de presse mercato, il dit il y a pas de recrue. Il met un petit coup de pression et puis finalement, on a une recrue dans la soirée. On voit que il a pas hésité à dire aussi qu'il y a eu des promesses non tenues depuis qu'il est arrivé. Donc on voit quand même qu'il a un certain courage. Oui, un courage, mais est-ce que c'est bon signe concrètement pour ce qui se passe actuellement au club? Je pense pas. Parce qu'il en parle de plus en plus de la direction et pas dans de bons mots. Donc, à mon avis, le courage de Paolo, c'est bien qu'il en ait, mais il aurait mieux valu qu'il soit un peu plus aidé par la direction, je pense. Tu vois, à mon sens. Ouais, je vois Jonathan quand j'ai dit courage. Non, mais il a courage de le dire. T'as des coachs, ils se tairaient. Hein, Jonathan, en conférence de presse, hein, il dirait rien. Hein. Il y a des coachs. Non, mais du coup, on va juste démonter. C'est Samuel qui a démonté Poyet il y a 10 minutes par rapport à ça. Parce que lui a été beaucoup plus violent que Paulo Sousa. Paulo Sousa est quand même un peu plus intelligent sur sa communication, si on est d'accord. Ouais. Mais pour moi, là, ce qu'il fait, en gros, il prend juste position avec les supporters pour se faire bien voir. Pour moi, c'est juste ça, en fait. Je vois pas l'intérêt. En fait, il y a des choses, je comprends pas pourquoi il les règle pas directement avec la direction. Plutôt que de faire passer des messages par les médias. Il y a des choses qui me gênent par rapport à ça. Moi, je pense qu'il fait juste, il veut juste se faire bien voir auprès des supporters. Les supporters, les ultras, n'ont jamais critiqué Paolo Sousa. Alors pourtant, il y a quand même de quoi sur certaines choses. Je ne dis pas sur tout, mais sur certaines choses. On ne va pas négliger qu'effectivement, Paolo Sousa, on lui a vendu du rêve, fait que JACP et Dagrossa lui ont vendu du rêve. On ne peut pas dire le contraire, ça, on est d'accord. Mais, comme j'ai dit, moi, j'ai l'impression qu'il se dédouane beaucoup, notamment avec la direction, les installations, les joueurs, etc. Il n'a jamais dit « c'est ma faute, je me suis trompé ». Ça, il n'a jamais dit. Et ça me rappelle un certain Raymond Domenech. Il a été plus mesuré que beaucoup de monde dans le club aussi. C'est-à-dire que quand il est venu voir les ultras et les supporters, il ne leur a pas vendu du rêve en leur disant « on va être en Ligue des Champions, par exemple ». Ce que tu dis, c'est qu'il crée une sa communication. Il n'est pas bête. Ah ben oui, mais déjà, c'est important. On est d'accord. Pour ne pas être dans l'œil du clone. Tu vois, par rapport aux supporters. Bien sûr. Et je pense que ça a joué par rapport aussi à sa cote de popularité. Ouais, sauf qu'au début, tu pouvais faire du beau jeu, etc. Hein. Dès qu'il est arrivé, la première fois, moi, je vais faire du beau jeu. Ouais, mais quel, il va se passer des choses. Quel coach des choses. Ouais, mais Joe, quel coach à l'heure actuelle ne dit pas qu'il va te dire je vais proposer un jeu éclaté, je vais mettre le bus comme José Mourinho, aller en Ligue des Champions et on va gagner comme ça. Il y en a un qui l'a fait. Il s'appelle Antoine Comboiré, il s'est fait virer dimanche après. Il est arrivé, il a dit je connais pas mon équipe, j'ai pas vu un match de la saison, je sais pas qui il y a, entre nous, j'en ai rien à branler, mais on va pas descendre. Il a fait 10 matchs, il en a gagné un. Ils lui ont dit tu sais quoi, les bonhommes, prends tes clubs, tu vois, il y a un beau grid là-bas, va t'amuser, va taper des balles. Donc c'est sûr, je suis. Ce que je veux dire dans un donc c'est ce que je veux dire. C'est ça. Donc tu vends du rêve au départ et puis après. Mais ce que je veux dire dans un sens, Agnol l'a fait aussi. Quand il a présenté, aussi qu'il allait jouer la philosophie de jeu fantastique. Tout le monde l'a encensé parce qu'il avait très bien. Football. Voilà, il avait fait un travail. Il avait fait un bon travail quand même avec l'équipe de France Espoir. Mais bon, voilà, c'est tout. Et tous les coachs, moi, j'en vois très peu te dire. Je vais jouer à fond derrière. Hein. Moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Max Allegri. Je l'ai jamais vu quand il est arrivé à la Juve dire je vais jouer. Je vais jouer derrière Non, mais t'arrives à la Juve, c'est normal. T'arrives à City, à United, à PSG, tu veux pas dire je vais m'étonner et puis voilà, où je vais voir. Tu connais très bien l'effectif que ça. C'est un projet qui est adapté à Bordeaux parce qu'aujourd'hui, un entraîneur qui arrive en Ligue 1, il peut vendre quoi? Est-ce qu'un entraîneur en Ligue 1 ou même un président, et on sait de quoi on parle parce qu'à Bordeaux, on en a un qui a osé le faire et qui aujourd'hui d'ailleurs est retourné
et retourner faire des photos avec madame sur Instagram, il s'appelait Joe D'Agrosa. Est-ce qu'aujourd'hui, légitimement, quand tu viens d'être un nouvel entraîneur ou un nouvel actionnaire de Bordeaux, tu peux arriver et dire « je vais imposer la gagne ici, on va gagner, on va ramener des titres ». Quand dans ton championnat, tu as le Paris Saint-Germain qui va te rouler dessus, et s'il y a un accident du PSG, y a d'autres équipes qui vont te rouler dessus parce qu'elles ont mieux armé que toi. Dans les coupes, tu peux espérer quelque chose, mais c'est beaucoup aléatoire. Et en Coupe d'Europe, tu la joues pas. Donc, tu peux pas arriver et dire, je vais faire en sorte qu'il y ait, quoi qu'il arrive, de la gagne, de la victoire ici. Tu peux pas, t'es obligé de dire, j'amène un projet, parce qu'aujourd'hui, comment t'attires des joueurs à Bordeaux? Non, mais une différence entre j'amène un projet et de dire, tout va changer, ça va être génial. Oui, après, le problème, c'est que Joe, quand tu dis que j'amène un projet à Bordeaux et que tu sors de 6 mois de Ricardo et 6 mois de Poyet, si tu dis j'amène un projet, effectivement, tout va changer. Parce que tu viens d'avoir deux entraîneurs qui avaient, en termes d'idée de jeu, on était sur un zéro pointé. C'est pour ça que je dis, moi, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, on nous a vendu. C'était pas mesuré. Non, mais on nous a vendu. Mais ça, c'est logique, quelque part. Là, franchement, c'est pas pour défendre Souza ou pas. C'est que ça aurait été n'importe quel autre entraîneur, René Girard le premier. Encore une fois, je te dis, à part Antoine Comboiré, moi, j'ai jamais vu dans ma vie un entraîneur arriver et dire, franchement, les gars, ça va être la merde. J'ai jamais vu. Mais tu vas pas dire ça. Mais tu t'es recruté au foot ou dans une entreprise, c'est pour amener quelque chose, ça, on est d'accord. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais en gros, lui, c'était, moi, j'ai amené la gagne, le beau jeu, le machin, tout ça. Et Coco, t'es en Bordeaux et t'es en Ligue 1. T'es en Ligue 1 aussi, le beau jeu, on n'a pas des masses, quoi. C'est vrai que les rares fois où il a essayé de l'installer, ça n'a pas marché. C'est la vérité. Non, mais le beau là, jeu, en fait. On peut remettre en question Souza. Allez, ouais. Gino, tu conclus ce thème communication, vas-y. Non, le beau jeu, je trouve un peu que Joe est un peu excessif sur le terme beau jeu employé par Souza, parce que moi, les mots que j'ai retenus de ses premières conférences de presse, c'est pas le beau jeu, c'est plus la mentalité qui voulait changer l'environnement du club, ça je l'ai bien entendu. Mais le beau jeu, ça, c'était pas dans les premiers mots que j'ai retenu des conférences de presse de Souza et du message qu'il voulait passer. C'est ce qui m'avait le plus marqué. Il voulait avoir un jeu de possession. Ça, j'ai bien retenu. Mais le beau jeu en lui-même, pour moi, c'est pas la principale chose que j'ai retenue. Et je le voyais plus sur la mentalité et l'exigence qu'il voulait pour le club. Je te rejoins et ça peut être critiquable d'ailleurs. Vu les résultats actuels, je sais que certains le critiqueront. Mais par rapport à ce qu'il voulait faire, le beau jeu, pour moi, c'était pas la première chose que j'ai retenue de son arrivée. Allez, on va enchaîner sur sa méthode et son management. J'ai réuni les deux. Donc là, on a fait la philosophie de jeu, la communication, sa méthode. Alors, sa méthode, on voit qu'il s'appuie sur un staff élargi, une dizaine de personnes. Et un suivi individuel et quotidien des joueurs, bon c'est assez basique mais bon dans le foot de haut niveau c'est ce qui se fait, et un suivi scientifique, c'est basé sur une méthode scientifique, t'as l'impression que tous les matins quand les joueurs arrivent ils répondent à un questionnaire, est-ce qu'ils ont bien dormi, comment ils se sentent, ils donnent un niveau de fatigue ou un niveau, ils notent leur niveau de sommeil, etc. Comment vous trouvez cette méthode là? C'est vrai qu'à Bordeaux on n'avait pas l'habitude d'avoir un staff aussi élargi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gino? Tiens. Après, voilà, ça va être encore aussi en termes de résultats derrière. Il va falloir voir ce qu'on attend. Parce que si c'est un projet dans le temps et que ça t'amène vraiment des résultats, avec des joueurs qui progressent dans ce qu'ils font aux entraînements, dans toutes les données qu'ils vont avoir que nous, on ne connaît pas forcément, moi, ça peut me plaire, mais il faudra qu'on voit sur la durée. Comment tu veux juger, pour moi, de l'apport de toutes ces personnes en si peu de temps? Pour moi, c'est pas possible. Les gars, je sais pas si j'irai même plus loin, Nico. J'irai même plus loin, c'est que malheureusement, comment juger objectivement, et ça concerne pas que Bordeaux, d'ailleurs, ça concernera beaucoup de clubs en Europe, comment juger objectivement cette saison en entier quand on connaît le contexte cette saison? Tu vois ce que je veux dire? Ça va être compliqué, quoi. Parce qu'imaginons, il y a deux cas de figure, enfin il y a plusieurs, il y a une dizaine, mais il y a deux cas de figure différents. On revient après deux mois d'arrêt ou un mois d'arrêt, Souza il t'enchaîne 9 victoires et il termine 4e ou 5e de Ligue 1. Tu dis que c'est un génie? Alors oui, il y en a qui diront que c'est un génie. Moi après je dirais que c'est super ce qui s'est passé, mais est-ce que ça reflète réellement le niveau de l'équipe? J'attends de voir la saison d'après. Et à l'inverse, s'il revient et que tout éclate, et que sur les 9 derniers matchs, tu gagnes rien, et que tu finis 16e,
Bah, tu pourras dire que déjà que c'était pas flamboyant cette saison, le coup d'arrêt et la fin, on va dire, du côté état de troupe quotidien qu'il faisait avec ses joueurs, a cassé complètement la dynamique qui était déjà pas fameuse, et que du coup, c'est un échec total. Donc, tu pourras avoir des lectures qui sont totalement différentes, mais qui seront toutes contextualisées. Et c'est pour ça que ce que dit Gino est très intéressant et que moi, je ne vais pas en rajouter plus, c'est que sa méthode, on ne peut pas encore la juger. Et malheureusement, si jamais en plus il vient à partir après la reprise du championnat, enfin après la fin du championnat et donc avant la reprise de celui d'an prochain qui seront très rapprochés, même son bilan, moi j'aurais du mal à le faire avec une exacte certitude. Il sera tout le temps contextualisé et mis dans un contexte à la fois lourd pour le club au vu de la saison et en plus lourd pour le contexte général, global du monde avec ce qui se passe en ce moment. On peut dire qu'il a les moyens de travailler aujourd'hui. Il a tous les moyens dont il souhaitait. Ouais, sur fou. Ah oui, d'accord. Oui, je pensais pendant le confinement. Je vais dire parce que là, à part foot manager. Non, mais en règle générale. Non, il a tous les moyens aujourd'hui pour travailler. Il a eu le staff qu'il veut. Il a placé les hommes qu'il voulait. Quand il va quitter Bordeaux, tous ces gens-là, ils vont partir. Qu'est-ce qui va rester finalement de son passage? Ça dépend quand est-ce qu'il part. Ça dépend quand est-ce qu'il part. Bah, aujourd'hui, eh oui. Non, mais aujourd'hui, eh mais oui. Si jamais il part à la fin de la saison, imaginons, autre cas de figure, la saison elle a arrêté maintenant parce qu'on ne peut pas la reprendre à cause des conditions sanitaires. La saison elle a arrêté maintenant, Souza il est 12e et il part après cette saison. Qu'est-ce qu'on gardera du passage de Souza? Rien du tout. Peut-être. Mais si qu'il aura raté son objectif parce qu'il fallait qu'il soit dans les 10 premiers déjà. Oui, c'est vrai, t'as raison de le rappeler. Non, mais c'est pour ça que je dis. Non, mais c'est con, mais. Non, mais t'as raison, mais c'est vrai. C'est que l'objectif de début de saison, c'était d'être dans les 10 premiers. C'était déjà un objectif pour beaucoup qui était très minimaliste. Donc, effectivement, il y aura un objectif raté. Mais en plus de ça, on va dire qu'en termes de ce que tu vas en tirer pour la suite, rien. À part peut-être la mentalité sur 2-3 joueurs, mais. Je vois pas qui pour l'instant. Mais sinon, t'en auras quasiment rien tiré à part avoir gonflé le trou dans les caisses. Et c'est là où je disais tout à l'heure que le problème n'est pas forcément Souza, mais le club, encore une fois. Ouais, là, Jonathan, ouais. Moi, des fois, alors moi, je sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, Flo, Joe ou Gino. Moi, j'ai juste une question, en fait. C'est-à-dire que là, vous dites qu'on peut pas juger. Moi, j'en aurais une aussi. Ouais. C'est que là, on ne peut pas juger apparemment la méthode Souza, selon vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour la juger, en fait? C'est ça que je voudrais savoir. Qu'est-ce qu'il faudrait du temps. Enfin, pour moi. Hein. Pour moi, du temps, plus qu'une saison. Non, mais le temps, c'est-à-dire que si on reste avec le même effectif pendant 3-4 ans. Eh ben, on est mal barré. On est d'accord. Pour moi, il te faut du temps. Et deuxième chose, c'est pour ça qu'on en parlait la dernière fois. Il faut des investissements, mais il faut aussi réduire la voilure. Parce que je veux dire, là, en ce moment, c'est trop. Plus que de l'investissement, c'est de la stratégie. Si tu vends les bons joueurs et que tu vas chercher les bons joueurs pas forcément cher et que tu surpayes pas forcément comme Laurent Koscielny, tu peux faire des bonnes affaires sans forcément lâcher 35 millions par mercato. Encore une fois, je donne des exemples en Europe, mais l'Atalanta, vous prenez leur masse d'investissement, notamment sur les joueurs, sur les 5 dernières années, et vous regardez leurs résultats aujourd'hui, quart de finaliste de C1, c'est quasiment une anomalie dans le football. Sauf que moi, j'aime pas le mot anomalie. Il y a que du bon ou du mauvais travail. Eux, c'est du très bon travail. Nous, on en fait du très mauvais. Donc, rapprochons-nous du très bon travail. Soyons stratégiques, soyons malins sur les périodes de mercato. Parce que là, ce que j'aime bien, c'est que beaucoup reprochent à Souza ce qu'ils reprochaient au club cet été, en disant qu'on ne mettait pas les armes au club pour faire une bonne saison. Je ne parle pas de toi, Joe, encore une fois. Je parle de ce que je peux voir sur le chat et de ceux qui étaient avec Nico et moi pendant les clubs mercato cet été, et qui disaient: que fait le club? C'est pas normal. On est le 25 août, on a mis 7 millions d'euros. C'est une catastrophe, etc. Et aujourd'hui, ces choix-là du club, ces investissements, ces non-investissements même du club lors de l'été et lors du mercato d'hiver, ils sont mis aujourd'hui au profit de Souza alors que c'était la faute du club cet été. Donc c'est pour ça que je dis, tout le monde est certes un peu responsable, mais ne mélangeons pas tout non plus. Et moi, je pense que si jamais Souza a un effectif qui lui correspond un peu plus et qui s'affine au fur et à mesure des années, à ce moment-là, on pourra avoir un jugement un peu plus définitif. Mais aujourd'hui, on peut avoir un jugement. Moi, j'estime juste qu'il ne peut pas être poussé à son maximum parce qu'on n'a pas encore toutes les cartes pour juger. Gino, non, mais ça fait un jour qu'il est là. Juste, Gino, combien de temps il faut lui laisser à Souza? C'est une question sur le chat.
Puisqu'on dit qu'il faut du temps, Gino, combien de temps? Après Flo, pour savoir combien de temps aussi. Moi, je pense qu'un projet de 3 ans, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Et avec, voilà, avec des moyens et un contexte beaucoup plus calme que cette saison, quoi. Avec quelque chose qui roule et avec qui tu t'entends bien, c'est-à-dire un bon directeur sportif et un président avec qui ça peut fonctionner. Parce que sans ça, ça sera de toutes les manières compliqué à aller au terme du projet. De toutes les manières, pour moi. Flo? 3 ans, il est Gino. Bah, moi, je veux juste répondre à quelqu'un sur le chat avant aussi. Il y a quelqu'un qui nous dit que l'Atalanta, ils ont un vrai coach et qu'en plus, il appuie son propos en disant que Gasperini, c'est du très très bon. Moi, j'aimerais juste rappeler que Gasperini, avant d'arriver à l'Atalanta, on lui a craché dessus comme le dernier des moins que rien. Et parce qu'il avait fait quelque chose de très mauvais à l'Inter, mais qu'au Genoa, ça avait été pas trop trop mal, mais qu'il s'est complètement rétamé à l'image des deux bourgs, etc. Le constat, là, c'est facile de parler de l'Atalanta Bergame maintenant parce qu'ils sont la culture en de quart de finale. Tu sais, en France, on est. Oui, non, mais oui, voilà, moi, ça me fait doucement sourire parce que en vérité, ils sont allés chercher des petits joueurs à droite, à gauche. Par exemple, moi, c'est un joueur que j'adore, notamment du côté de l'Atalanta, Papu Gomez qui a fait 3 saisons fantastiques avec Catane qui n'est plus du tout en Serie A et je sais même plus s'ils sont en Serie B, je me demande s'ils sont pas en Serie C et donc voilà, ils ont pris des mecs comme Iličić qui avait fait quand même plusieurs bonnes saisons, que ça soit du côté de Palerme, après du côté de la Fio, et donc voilà, ils ont réussi à, je veux dire, il y a un moment donné, ils ont recruté. Par exemple, il y a un mec qui flambe un petit peu cette saison avec l'Atalanta, c'est Mario Pazalic. Pazalic, il a été prêté dans tous les clubs possibles et inimaginables. Et derrière, là, il arrive un peu plus à performer, notamment à l'AS Monaco. Donc voilà, après, concernant le temps, moi, je pense que oui, il faut laisser du temps, comme le disait Gino. Je pense que c'est un projet se base sur 2-3 saisons. Parce qu'il faut aussi rappeler que l'Atalanta, par exemple, n'était pas... Parce que bon, maintenant, c'est l'exemple qu'il faut prendre et donner. L'Atalanta a galéré sur certaines saisons, même s'il y avait un peu du beau jeu, etc. Ils ont construit leur qualif de quart de finale depuis, allez, 3, 4, 5 ans. Donc voilà. Et c'est pas, pour moi, j'estime, alors sauf si après Paulo Sousa veut partir des Girondins de Bordeaux, mais c'est pas en changeant tous les 12 à 18 mois de coach que tu vas déjà instaurer une mentalité, un processus et des joueurs qui ont faim et qui veulent gagner. Quand il dit Sousa que la culture est inexistante, il parle pas de, pour moi, il parle pas du club dans sa globalité, il parle de ses 10-15 dernières saisons. Où est-ce qu'il y a une mentalité? Où est-ce qu'il y a une culture de la gagne sur ces... Si tu occultes ce titre de 2009 et la période Laurent Blanc, où est la mentalité gagnante? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'existe pas. C'est pas un peu le boulot du coach, quand même. La preuve de ce que tu dis, Flo, c'est la manière dont se déroule la deuxième partie de la saison après le titre en 2010. À un moment donné, il faut se dire une vérité 10 ans après, quand Sousa, parce que ça a piqué certains, mentalité de la gagne, disait « Ouais, mais on est quand même Bordeaux, etc. » Mais quand t'as un club avec un minimum de mentalité de la gagne, désolé du terme, mais tu te fais pas rouler dessus, tu te fais pas, je vais pas le dire, tu te fais pas pisser dessus comme ça s'est passé en 2009-2010. Ce qui se passe sur cette deuxième partie de saison, où t'es 17e de la deuxième partie de saison, tu finis 6e derrière Montpellier qui vient de monter en Ligue 1, mais c'est une honte. Dans aucun club digne de ce nom, normalement c'est accepté ça. À Bordeaux, on l'a pas accepté, bien sûr, hein. Mais quelque part, on s'est dit, ah ouais, ben voilà, on a été champion et d'après. Et c'est vrai, il a raison, Sousa. Normalement, jamais tu dois l'accepter. Et normalement, à chaque fois que les joueurs, et ça, on le dit dans le talk chaque semaine, moi, pour moi, à chaque fois qu'un joueur il rentre sur un terrain de football et qu'il porte le maillot scapulaire sur ses épaules, il devrait se dire, bordel, joue dans le club où Zinedine Zidane a joué, où Alain Giresse a joué, où Pedro Miguel Paoleta a joué. Il devrait se dire ça, les mecs. Se dire, putain, je joue quand même au Girondins de Bordeaux, quoi. Je joue pas au club du coin, désolé pour eux, hein, mais je joue pas à Nice, je joue pas à Sochaux, je joue pas à Lens, je joue pas à Nantes, je joue à Bordeaux. Et ben ces mecs ils se le disent pas, et c'est là où moi, pour moi, quand Sousa parle de mentalité et que je trouve que c'est le plus grand chantier, c'est parce que moi j'aimerais qu'un jour des mecs rentrent et se disent putain on joue quand même pour les Girondins quoi. À moindre échelle, c'est pareil avec Manchester aujourd'hui en Angleterre où des fois moi je reproche aux mecs de se dire
putain, vous êtes quand même Manchester, les gars. Vous faites rouler dessus par Watford, par Crystal Palace, et il y a un peu de dignité, quoi. Et ben, à Bordeaux, c'est pareil. Quand tu te fais rejoindre par Dijon à la 77e un samedi soir, tu devrais dire, hey, mais vous êtes fous, quoi. Vous allez rentrer chez vous avec zéro point, vous, Dijon, là. Tiens. Vous êtes où? Vous êtes où, là? Tiens, il y a Joshua qui dit, tiens, moi, si on vous écoute, on a l'impression qu'on a un effectif de ligue limite, quoi. De Ligue 2, voilà. Ah mais moi je dirais juste un truc pour appuyer le propos de Sam, après je laisserai la parole. Il y a eu une petite anecdote en fin de saison dernière. Paulo Sousa était assez circonspect que la majorité de son effectif ne savait pas que Mauricio Pochettino, qui était l'entraîneur la saison dernière en vogue, avait joué au Girondins de Bordeaux. Il n'est pas resté longtemps. Personne n'est au courant. Il n'est pas resté longtemps. Oui, mais il n'est pas resté longtemps. Mais tu regardes un petit peu le palmarès, etc. Il est dans le deal avec Paoletta. Il y a une histoire sur le transfert de Pochettino. Il est dans le deal avec Paoletta, etc. Enfin, il s'était passé quelque chose, quoi. Ouais. Bon, j'espère que vous êtes 67 connectés. Bon. On est monté à 70 ce soir, hein, dis donc, il y a moins de monde que lors des talks d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Envoyez du like, merci. Mais merci de nous suivre. En tout cas, vous aurez le replay qui sera là tout à l'heure. On est en émission spéciale sur Paulo Sousa. On a fait sa philosophie de jeu, sa communication, sa méthode. Je trouve qu'on est plutôt pas mal organisé, même si bon, il y a des digressions, mais bon, c'est normal. On est bien obligé d'en faire. C'est juste sur la méthode et donc son management. Est-ce que vous trouvez, je sais que Joe lui reproche énormément le fait d'avoir fait un loft. Joe, ça c'est quelque chose que tu penses a été une erreur de faire ce loft? Pas que, mais oui, ça a privé de certaines solutions au milieu. Je pense qu'il s'est un peu précipité sur certains choix, surtout dans les mercato. Je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Alors Aïd Benacer, moi il me semble que c'est lui qui le voulait, pas en premier choix, mais il a quand même, il me semble, été le chercher. Le transfert d'Oudin, j'ai toujours du mal à comprendre en fait, le montant qui a été investi sur ce joueur, en sachant qu'il voulait plusieurs joueurs. Ça, j'ai toujours du mal un peu à comprendre ce projet-là, en fait, entre guillemets. Donc voilà, et ce loft, c'est toujours quelque chose qui me gêne parce que tu te prives de certaines possibilités. Si tu échanges avec les joueurs, je pense qu'il y a toujours moyen de faire en sorte que les joueurs s'investissent. Si tu as un projet qui est cohérent et qui peut plaire à certains, si ça ne convainc pas aux joueurs, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les joueurs, s'il y a un vrai échange ou pas. Avec Sankaré, je pense que c'était un peu compliqué, mais un joueur comme Vada, j'ai du mal à croire que le mec n'aurait pas été investi au Girondin. C'est quelque chose qui peut me déranger parce qu'il a été formé, parce qu'il a quand même cette culture-là. Il a bien performé quand Soulard Gouvenet a bien performé, ça met grand mot, mais il a quand même été intéressant. Je voyais des bribes de choses intéressantes de Soulard Gouvenet en deuxième partie de saison. Si, au milieu, quand il commençait à marquer des buts. J'ai toujours le souvenir de. Non, mais ok, d'accord, mais c'est 2-3 mois, quoi, je veux dire, il y a un moment donné. Mais c'est parce que c'est le moment où il a joué régulièrement. Plus 4, allez, 4 mois du mois de janvier jusqu'à la fin. Il a joué la seconde partie de saison. Non, mais attends, Flo, j'ai non, mais est-ce qu'il a réitéré après il termine. Ouais, le début de la saison d'après est pas mal. Les fameux 7 journées où Bordeaux arrive à vaincre au Parc, il est bon. À part le match contre Lyon où il se foire, il est bon. Ouais, donc tu lui reproches le love. C'est vrai qu'il a un management hyper directif, Paulo Sousa. Et son coaching parfois est catastrophique dans les matchs. Je suis désolé, mais moi je vois des choses, je ne comprends pas. Sa gestion d'effectifs, je ne la comprends pas par moment. Genre, il y a un exemple. Le coaching, non, mais les coachings, à un moment donné, il y a eu tellement. Montpellier, pour moi, ça a été vraiment un miracle ce qui s'est passé, son coaching. Il met, allez, je mets 6 attaquants et puis ça devient une coupura. La compo sur le match d'Angers, où il prépare un système, il te met un 4-4-2 derrière, même s'il y avait des absents, etc. J'ai du mal à comprendre non plus. C'est pas ces matchs-là qui me dérangent, moi, Joe, parce que ces matchs-là, les deux que tu cites, ces premières et deuxième journées, t'es encore très limité. Ouais, mais t'as une préparation au départ et tu vois que derrière. Ouais, mais t'es encore très limité. Moi, ce qui me gêne plus, c'est là où je te rejoins sur la gestion des joueurs et de certaines. Tu vois, tu l'équipes en face de 10, rien, tout ça, et tout. Ouais, alors, c'est compliqué. Ça déjà, et puis surtout, certains choix où il s'est entêté sur certains noms. Benito à gauche, à un moment donné. En fait, Benito à gauche, le seul moment où il le sort, c'est au début de saison quand il commence à mettre Kalou. Et c'est le seul moment où Benito est bon. Quand il remet Benito, après, il n'est pas bon. Et il sort quasiment jamais de l'équipe jusqu'au match de Savali contre Nîmes. Savali fait un bon match et il remet Benito le match d'après. Et après, tu fais ta mauvaise série. Le piston droit, bon, pareil, je ne vous refais pas tout l'historique de la gestion, mais
entre Cavano, entre Sabali, entre Kwateng, je n'ai pas trop compris à un moment donné avec qui on allait finir. Et on a fini avec quasiment personne. Et puis voilà, et puis devant, c'est vrai que devant. Ben Raoult, Basic, c'est à peu près le même niveau. Ils ont raté un match. Ils ont été sérieusement punis. Les deux auraient dû partir cet hiver. Il y en a un qui est resté, l'autre qui est parti. Aujourd'hui, les deux marchent bien. Donc quelque part, j'ai envie. Je ne vois pas rater un match, Ben Raoult, moi. Moi, je le vois juste jouer contre Brest. Après, je vois rater un match. Contre Brest, moi, j'ai été le premier à m'enflammer sur lui au stade parce que j'aimais beaucoup ce joueur. Mais ouais, il fait une passe d'aise pour briller en la quatrième minute. Mais après, alors c'est pas lui le problème. Hein. Mais c'est vrai qu'après, sur 50-60 minutes, il est invisible. Oui, non, mais après, tu vois des bribes. Je vois des bribes plus intéressantes que. C'est ta première titularisation en Ligue 1 et qu'il y a une place à prendre, prends-la. Et peut-être que ça l'a déçu. Alors, c'est excessif pour moi, hein, mais peut-être que ça l'a déçu. Mais c'est vrai que sur le choix du 9, par exemple, le fait de plus remettre Wang en position numéro 9 seul depuis le match à Dijon, le troisième match de la saison, où il marque, où il fait un bon match parce que justement, il décroche beaucoup. Et il amène de la mobilité et du surnombre sur les attaques bordelaises. Ne plus le revoir et voir des fois Depréville au parc à ce poste-là, ouais, je comprends pas. Sam Kalou, il a deux doigts de dire bah, qu'il se casse, c'est bon, il m'a gonflé avec son passeport le 1er janvier. Et le 15 février, il est titulaire au parc. C'est vrai qu'il y a des choses parfois qui me surprennent un peu avec lui. Mais après, c'est un peu... Le cas Kwateng. Mais après c'est de la méthode humaine, ça. Ça, c'est, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, sur Terre, hein, qui vont te dire, qui te font pas confiance, et d'un coup, qui vont dire, ben, c'est quoi, fais tes preuves sur un match comme ça. Attention, je suis pas en train de défendre ce que fait Souza, mais je dis que c'est pas non plus, ça n'a rien d'anormal. C'est juste quelque chose que moi, je trouve pas stratégique, et que je ne comprends pas. Mais globalement, je trouve que, et on le disait plusieurs fois avec Nico, si on prend en termes de management, sa gestion du groupe, et notamment des jeunes qui composent en grosse partie l'effectif de Bordeaux, ben, on se rend compte aujourd'hui que, bah, tous les jeunes, il les a fait progresser et que ça se voit. Même un mec comme Ben Raoult, on peut en dire ce qu'on veut, mais si je pense qu'il se régale autant avec Nîmes depuis le début de saison, c'est parce qu'à un moment donné, celui qu'il a lancé dans le grand bain sur les 8-9 derniers mois, il s'est bien occupé de lui aussi. Donc, Maja, Adli, Tchouameni, on regarde. Je suis pas certain, moi, mais après, moi, je trouve que c'est parce qu'il est. Allez, dis-le, que dans du coach. Dans la vision de bon nombre, je trouve qu'on occulte souvent ce qui est fait à l'entraînement, honnêtement. Et pour en voir que, quelques-uns depuis le début de la saison, honnêtement, moi je te dis, clairement, si Basic en est là où il en est aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard. Les entraînements de la fin septembre, début octobre, payent à partir de maintenant. Alors, payent tard. Mais paye maintenant. Et donc voilà, il faut pas croire que si vous voulez, je vais vous montrer des rushs des entraînements de la saison dernière avec le tandem Bédoué Ricardo et cette saison avec notre ami Paulo Souza et l'ensemble de ses adjoints. On a l'impression que c'est le jour et la nuit aussi. Donc il y a tout un travail qui a besoin d'être assimilé. Et les gens qui ont critiqué un peu trop Rémi Houdin en début, dès sur ses premiers matchs, moi je comprends pas. Il y a déjà une compréhension des mouvements de tes partenaires, la compréhension tactique du coach aussi parce qu'elle est importante. Et donc voilà, et tout ne se fait pas. Borum ne s'est pas construit en un jour. Donc il faut du temps, quoi. Clairement. Après Gino, on écoutera Gino. Après, bah, c'est-à-dire que toi, tu le dis souvent par rapport à l'intensité qu'il y a aux entraînements. Tu l'as souvent dit. C'est vrai que je suis allé voir une fois un entraînement. Je ne fais pas tout le temps parce que je n'ai pas l'occasion, mais je suis allé une fois. J'étais surpris de l'intensité. Sur le terrain, je ne la vois pas. Il y a quand même un problème, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça qui me vient, c'est que l'intensité de l'entraînement qui est effectivement intéressante, tu ne la retrouves jamais sur le terrain actuellement. Gino. Ça fait quelques mois que tu ne la vois pas. Gino, tu es toujours là. L'oreille. La mentalité des joueurs, peut-être, Gino. Oui, mais c'est aussi le travail du coach. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand. D'accord. Moi, j'ai du mal, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un message qui ne passe pas, peut-être, dans ce cas-là. Je suis désolé, mais. Ouais. Moi, quand j'ai pas envie de me défoncer pour quelqu'un, je vais pas me défoncer pour quelqu'un. Bah, alors, la question, c'est. La question, c'est. Moi, ce qui me gêne, je vois pas l'esprit de groupe. Moi, je te pose la question. Est-ce que Souza. Quelle est la problématique? Est-ce que Souza doit arrêter de demander aux joueurs d'être plus ambitieux sur le terrain? Ou est-ce qu'on doit arrêter d'avoir un coach ambitieux comme Souza avec les joueurs?
Parce que comme une question d'ambition. Bah si, parce que d'ambition. C'est une question d'intensité. Le discours, il passe pas avec le joueur, mais quand on parle d'intensité, c'est que le joueur est ambitieux et demande au joueur de mettre une intensité qui est haute tout le match. Donc la question, c'est est-ce qu'à Bordeaux, on doit avoir des coachs plutôt comme Souza qui demandent des choses aux joueurs et même si ça prend beaucoup de temps, leur rabâcher jusqu'à que ça rentre, ou est-ce qu'à l'inverse, on doit se mettre au niveau de l'incompétence des joueurs et dire mettons des coachs qui vont pas trop leur casser les pieds, qui vont jouer comme ils veulent pour qu'on ait une équipe plutôt tranquille. Pourquoi c'est que les joueurs qui seraient incompétents à l'arrivée ? Pourquoi c'est que les joueurs qui seraient incompétents parce que à l'arrivée ? C'est un podcast, c'est ça que je comprends. Pourquoi tu peux dissocier les deux ? Pourquoi tu dissocies les deux, en fait ? C'est le même effectif que l'an dernier. Et que l'an dernier, t'as mis ce coach. C'est un problème global. Non, mais l'an dernier, t'as mis ce coach Joe qui venait pour faire avec ce qu'il avait. Donc on avait à peu près le même groupe. Et on a vu que c'était un Bordeaux qui était tout aussi exaspérant qu'avant. Le même groupe, je suis pas d'accord. À savoir qu'il était pas bon dans les petits matchs et qui dans les gros matchs se sortait vite fait les doigts du derrière, mais c'était pas souvent suffisant parce que t'avais un problème de niveau. Donc voilà, je veux dire, on est quand même sur quand je dis même effectif, ce que je vois sur le chat, bon c'est toujours le même hein, qui depuis tout à l'heure fait son intéressant. C'est Tanguy, Yann Tanguy. On est à peu près sur le même niveau en termes de joueurs, à savoir que t'as pas de joueurs qui sortent de la moyenne. Comme je disais tout à l'heure, t'as pas de leader technique. T'as perdu Koundé, t'as eu Koscielny. Donc en défense centrale, on peut dire que tu t'es globalement amélioré, même si je suis pas non plus ultra fan de notre secteur défensif. Mais Koscielny c'est plus serein que Koundé en Ligue 1. Mais je veux dire, on est sur le même niveau. On a un effectif qui est moyen. Qui est moyen de chez moyen. Donc, d'accord. Ouais. Techniquement, oui. Final, mais après, la mentalité, c'est autre chose. L'an dernier, on a eu un entraîneur qui a subi un peu son effectif et on a fait une saison qui était mais agaçante au possible et on a failli finir en Ligue 2. Là, cette année, on a un entraîneur qui essaye autre chose. Ça marche pas, c'est vrai, et il faut le dire. Est-ce que t'es pas frustré à la fin des matchs, c'est ça, en fait. Est-ce que t'es pas frustré de voir ce que tu vois totalement. Voilà, c'est ça la problématique. Et je veux pas dédonner le coach de ça. Ok, les joueurs sont pas forcément pros. Je dénonce jamais, Johan. Mais on peut pas tout lui remettre dessus comme le font certains. C'est ce que je te dis, c'est qu'en gros, moi je peux pas séparer Paulo Souza et l'effectif pour moi, c'est les deux là pour l'instant qui sont dans le même sac. Allez, pour moi. Ça me dérange. On enchaîne. Gino, tu vas conclure sur la méthode et on va faire l'avenir. Et ce sera le dernier thème de la soirée, l'avenir de Paulo Souza. Non, je pense que tout a été dit. Après, le management invisible, ce que disait Flo, c'était très intéressant, notamment aux entraînements. Et quand on voit le temps qu'ils prennent, lui et ses adjoints, notamment avec les jeunes joueurs, pour leur expliquer, notamment tactiquement, comment se placer et autres, c'est quand même quelque chose. Après, il est derrière ses joueurs tout le match. Il essaye de leur donner beaucoup de consignes. Alors peut-être trop pour certains, je pense, même des fois. Mais moi, je pense qu'au niveau du management, c'est un entraîneur qui est vraiment intéressant à suivre. Voilà, bon, parfait. Salut Conan qui vient de nous rejoindre. Salut à tous hein, qui êtes là. Pensez à vous abonner à la chaîne. Ouais. J'ai fait des apps. Il y a eu des apps aujourd'hui. Si vous voulez voir Kathleen Souza en string en train de faire des. en train de ouais, faire merci des d'ailleurs, pompes. Nico. C'est le zap d'hier. Le zap d'aujourd'hui, c'est monsieur, c'est monsieur et madame Otavio qui font du sport. Allez-y, il y aura un zap par jour. Allez-y, abonnez-vous. c'est pas rassurant. Ah, en tout cas, Flo, ça lui a plu. Alors, Kathleen, c'est pas Paulo Souza. C'est pas Paulo Souza en string. Les miniatures et tout, ça. Ah, ouais, les titres des pères. Oui, je sais. On s'affiche sur Instagram. J'ai pensé à toi, Flo, quand j'ai fait les titres. Là, on a l'impression d'être à Foot Mercato bientôt. Oui, bon, on fait comme on peut. Il n'y a pas grand chose en interview, en actualité. Et oui, c'est dur, les gars. Allez sur Web Girondin aussi. Tous les jours, hop! Une visite ou deux, ça fait du bien. Bon, Gino, ça l'avenir. Fait un snap par jour, du coup. Voilà, l'avenir. On a le temps, en plus, en ce moment. On a le temps en ce moment. Donc. Envoyez. Une visite, un repas pour Florian Sabatier, sachez-le. Une de visite. De quoi, pardon ? Vas-y. Je dis une visite, un repas pour Florian Sabatier, sachez-le. Oh non. Oh, ça serait beau. Ça des serait beau, sauce. Non, malheureusement, non. Un sandwich triangle, quoi. Ah ouais, là, voilà, ouais. Oh, oui, encore. Vu que tu peux plus manger de pâtes maintenant, c'est terminé, quoi. Le triangle, le triangle d'or. J'aimerais bien, tiens. J'aimerais bien. Ça y est, le triangle d'or. Tu le dis. Ah, là, c'est le triangle d'or, mais D-O-R-T, là, pour ouais, le coup. Ouais, c'est ah, ça. Ouais, ah ouais. C'est bientôt l'heure. Ouais, c'est le confinement, là. Ça va commencer à peser tous ces jours. L'avenir de Paulo Souza, tout ça, c'est bien. Hein. On a vu sa philosophie, sa communication, sa méthode.
On en a parlé, son management, on en a parlé avec ce qu'on peut voir, nous, de l'extérieur. Je peux juste savoir, oui. Te poser une question, Nico. Gustavo Poyet, c'est Johan Cruyff ou pas? Non, parce que j'ai l'impression que c'est un duo, en fait. En lisant tout ce que je lis sur le chat, j'ai l'impression. Paulo Sousa, c'est Cruyff et c'est Zidane. J'ai pas vu de message sur Poyet sur le chat. Il y a des messages. Non, c'est en mode. On a l'impression que Poyet c'est le dieu vivant et c'est le meilleur entraîneur des résultats. Mais c'est le dernier qui a eu des résultats, forcément, ils vont te dire. Il a des résultats. Poyet au sommet. Parce qu'on en parle pas, mais le problème au milieu de terrain aussi. Est-ce que un joueur comme Kassler Hager, par exemple, ne servirait pas aux Girondins de Bordeaux à l'intérieur du milieu? Non, pas dans ce qu'on joue aujourd'hui. Pas assez technique. Non, monsieur. Mais pas assez technique. Je te soutiens beaucoup, mais là. Non. Pas du tout. Non. 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 Mais je sais pas, dans le gratteur de ballon, etc. Non. 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 Bon, on a essayé. Non. Pas certain, non plus. entre l'ERR, toujours dans le groupe, et 9 millions d'euros parce qu'il est parti en Italie. Ah oui, voilà. Non, mais ça c'est sûr. Au choix, oui, non, non. Non, mais je te dis juste que tu n'as pas un mec forcément méchant comme il était capable de le faire. Et faire des Costa, quoi. Des ouais, mais il était surtout méchant. Ouais. Pardon ? Il était surtout méchant avec nous, quoi. C'est ça le problème à la fin. Ensuite. Bon, allez, l'avenir de Sousa. Vous voulez lui laisser du temps, mais lui, est-ce qu'il restera le temps que vous souhaitez ? Le voir rester. Vous dites qu'il faut laisser du temps. Flo et Gino, vous dites 2-3 ans, mais bon, on voit qu'il est en conflit. En comptant cette année et demie. Hein. Ouais, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il va partir cet hiver? Je commence par toi, Gino. On t'a pas beaucoup entendu, puis tu dois avoir l'oreille qui chauffe au téléphone. T'as mis le clignotant. Ouais, est-ce que je pense qu'il va partir? Oui. Globalement, vu tout ce qui se passe au club, le conflit ouvert avec la direction quand même qui est assez latent dans ses prises de parole ces derniers temps, je le vois bien franchement partir. Pour moi, ça sera une des choses qui va casser un petit peu le projet, à mon avis. Ok. Joe. J'ai envie de te dire oui parce que j'ai l'impression que c'est pas évident forcément de communiquer avec lui aussi. Et Paulo Sousa, tu sens que c'est quelqu'un d'assez dogmatique, voilà, c'est quelqu'un qui a ses idées précises, ça on le sait, parce que c'est une bonne ou voilà, une mauvaise chose. Après ça c'est autre chose, après d'en juger c'est un peu plus compliqué à savoir. Maintenant, 3 ans pour un coach, je ne connais pas beaucoup de clubs qui laissent 3 ans à un coach avec ces résultats-là et peu de changements actuellement. Enfin, moi, je vois pas beaucoup d'évolution moi actuellement. J'ai vu le joueur effectivement évoluer, mais là, qui retombe. Donc moi, Otavio, pour moi, il disparaît un petit peu. Cossini est en train de perdre son niveau, etc. Donc fin de saison, il y a quand même un bilan à faire. Même si la saison est tronquée, etc., il y a quand même un gros bilan à faire. Et je pense qu'il y a des chances qu'il parte. Pour l'instant, il y a plus de chances qu'il parte à la fin de la saison. Clairement, maintenant, c'est pas sûr à 100%. Si Massia part et que au niveau de la direction, ça évolue un petit peu. Peut-être que King Street va avoir certaines choses au niveau de la direction et l'organisation à avoir. Voilà. Tiens, il y a Nico, il me dit, Noël Zanello, il dit Nico, rassure Flo, Sousa s'en va, Poyet revient. Moi, je prends, hein, non, honnêtement. Moi, si Poyet revient, moi, il n'y a pas de problème. Hein, bien au contraire. Hein, bien au contraire, je vous le dis. Thierry Lauré, tu vas arriver, tu vois. Ouais, mais franchement, Thierry Lauré, je prends aussi, tu vois. Franchement, moi, tant que t'es un bon communicant derrière, après, tu sais, le reste, ce n'est que fioriture. Hein. Donc, on va faire le Bordeaux Comedy Club, quoi. Avec Younous Sankaré en prime time, quoi, c'est bien. Voilà, Pascal Duprat et Younous Sankaré en chauffeur de salle, quoi. Voilà, comme ça. Et Raymond Domenech, on n'a pas oublié Raymond Domenech aussi. Mais Domenech, c'est le président d'honneur. Allez. Toi, Sousa, tu veux que je te dise ? Oui. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme je t'ai dit, avec le coronavirus et donc cette trêve qui n'était pas prévue. Imprévue, ouais. Et qui est indéterminé et qui peut avoir des conséquences assez problématiques sur le calendrier. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est que moi, Sousa, je pense qu'il ne partira en fin de saison, sauf s'il y a vraiment, ça explose vraiment avec la direction, mais que s'il a une offre intéressante ailleurs. Et il va en avoir parce que, contrairement à avant qu'il revienne
entraîné à Bordeaux, il n'était plus vraiment dans le circuit. Donc, il fallait qu'il se relance. C'était soit la Roma, soit Bordeaux. Bon, dans les deux cas, il n'aurait pas été hyper bien servi, hein, qu'on se le dise. Parce que la Roma, pour ceux qui suivent un peu la Serie A, notamment Flo... c'est compliqué, voilà. Ça, oui, c'est compliqué, mais je ne trouve pas, tu vois, je trouve pas que honnêtement, au niveau de l'effectif qu'ils ont, ils vont se relever un jour ou l'autre, et peut-être oui, la saison prochaine. Bien sûr, mais je veux dire, il n'aurait pas passé une meilleure saison du côté de la Roma en termes de stabilité, quoi. Mais je pense que ça l'a quand même remis dans le circuit. Le problème, c'est quoi? C'est que, imaginons... dans le cas de figure où les matchs terminent fin juin, début juillet, ou même fin juillet la saison, et que tu reprends début août, bah les équipes, à un moment donné, qui vont devoir changer de coach et tout, elles vont avoir deux semaines pour se retourner, tu vas avoir plein d'équipes qui vont du coup changer un peu leur programme, quitte à rectifier dans 2-3 mois, enfin 2-3 mois après, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû changer d'entraîneur ou quoi, etc. Mais tu as plein d'équipes, moi je pensais notamment à Arsenal, si ça ne marche pas avec Arteta. C'est un entraîneur comme Souza, ça pourrait les tenter. Le problème, c'est qu'à un moment donné... Un entraîneur en conflit avec sa direction ? Je ne suis pas certain. Hein. Il est en conflit avec la direction. C'est pas... Tu dis que ce n'est pas forcément quelqu'un d'évident à gérer. Quelle direction, franchement ? Parce que même si je suis le premier à dire... Non, mais d'accord. Il y a plein de choses cheloues qui se passent. Franchement, non, mais d'accord. Ce qui se passe à Bordeaux, c'est unique. Hein. Mais ses déclarations dans les médias ne plaident pas à sa faveur à ce niveau-là. Attention, il a quand même bien ouvert sa gueule et ça peut déplaire. Oui, après, regarde Mourinho, je ne compare pas bien sûr Souza et Mourinho, hein, même s'ils ont un passeport en commun. Mais je veux dire, Mourinho, il est quand même réputé pour. Même Abramovic, il n'en avait rien à faire pour, entre guillemets, pour taper sur sa direction. Et pourtant, il a été recruté à Arsenal, à Manchester, à Tottenham, des clubs où pourtant tu as une direction. Donc, je pense pas que ce soit un facteur excluant. Moi, je pense que tout va dépendre de quand la saison va reprendre et quel temps il aura pour lui se retourner et quel temps aura Bordeaux pour se retourner aussi. Parce qu'à un moment donné, si Bordeaux, il doit virer Souza, donc lui payer 3,5 millions et retrouver un entraîneur juste après à qui il faut faire un contrat et rentrer dans les comptes, ça sera compliqué. Ou inversement, si Souza veut partir... à deux semaines du début de la saison d'après, Bordeaux, ils sont capables de dire t'as fait des bons résultats sur les derniers matchs, tu pars pas, bonhomme. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible avec ce qui se passe, et c'est pour beaucoup, c'est pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les clubs, de savoir de quoi est fait l'avenir. Et moi, je pense que les conséquences de cet épisode qu'on vit actuellement, ça pourrait être le fait que Souza s'inscrive dans le projet bordelais. Un peu plus longtemps que cette fin de saison. Donc je pense qu'on pourrait le retrouver encore quelques mois à Bordeaux, mais si ça se passe mal, je ne serais pas étonné que ça se termine par un licenciement ou une démission, que ça se termine mal, quoi. Mais je ne suis pas sûr que ça se termine cet été au vu des récents événements. Flo ? Ben moi, je suis un petit peu, ouais, clairement, dans la même, on va dire, hypothèse que Samuel, parce que c'est vrai que finalement tu as des clubs, notamment à l'étranger, qui avaient cette envie notamment de changer de coach. Je pense notamment à des clubs italiens et notamment aussi par exemple les rumeurs qu'il y avait aussi pour Zinedine Zidane pour partir du Real. Donc voilà, est-ce que ça va pas être la même chose aussi pour Bordeaux et pour Paulo Souza? Est-ce qu'il va pas rester au moins une saison de plus? C'est ce qu'on pourrait penser. Après, si jamais il y a encore, moi je pense que si jamais il y aura encore des couleuvres qui devra encore avaler cet été. Par contre, là, on sera plus très très loin d'un clash et peut-être de quelque chose. Là, on va encore reparler de cet homme, de Gustavo Poyet. Donc voilà. Après, il faudra aussi que le club travaille énormément bien. Moi, je reste je trouve le raisonnement qu'avait Gustavo Poyet il y a 2-3 mois avant le début de la saison suivante, et il disait régulièrement qu'il fallait avoir un groupe de 24-25 joueurs, et là-dessus je le suis totalement. Il faudrait vraiment dégraisser et avoir des résultats avec un groupe amoindri, parce que ça n'aide pas pour les finances du club, pour les joueurs, pour se sublimer, etc., et essayer de faire certaines choses. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il faut du temps. Et puis, de toute manière,
encore une fois, quand on regarde un peu ce que montrent les Girondins de Bordeaux depuis 10 saisons, à part, il y en avait qui le soulignaient en début d'émission, à part Francis Gillot qui a fait un travail, je pense, remarquable dans le sens où il a quand même ramené une Coupe de France. Continuité de Francis Gillot, faut le dire. Hein. Ah oui, sans recrutement. Et il a qualifié aussi le club en Europa League aussi, en faisant aussi, je crois, c'était huitième de finale, si je dis pas de bêtises. Oui, Benfica, qui vont jusqu'en finale et qui perdent contre Chelsea. Et donc voilà, il faut laisser du temps. Et petit à petit, ça prendra ou non. Mais moi, je pense qu'il faut laisser du temps parce que ça sert à rien de changer tous les 18 mois de coach. Le club n'avance pas, l'équipe n'avance pas et l'entraîneur, n'avance pas non plus. Mais Flo, tu parlais de Francis Gillot. Moi, quand même, pour les amoureux de football et de Bordeaux, rappelons-nous que Gillot, il jouait à 5 défenseurs. C'était pas des pistons, lui, même s'ils étaient utilisés comme tels. Mais on jouait à 5 défenseurs et nos deux pistons, c'était Mariano et Tremolinas. Imaginez des joueurs de cette qualité, avec ou sans Souza, hein, mais aujourd'hui dans notre club de Ligue 1. Imaginez si on avait deux latéraux de cette qualité-là pour au moins amener des ballons devant. On serait les rois du pétrole dans cette Ligue 1 aujourd'hui. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Alors, ce n'est pas pour minimiser le travail de Gillot, hein, qui avait fait un très bon travail. Alors, ce n'était pas éclaté en termes de jeu, mais comme l'a dit Flo, dans la régularité, c'était remarquable ce qu'il avait fait. Mais c'est vrai que tu avais en plus de ça quand même des forces humaines qui étaient supérieures aujourd'hui à ce que tu as encore une fois. Ce n'est pas pour tout le temps taper sur l'effectif, mais c'est juste pour rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle d'effectif moyen, c'est parce qu'il n'y a aucun joueur, à part des joueurs en fin de carrière, qui sort du lot. Allez, si je résume, donc Gino, tu le vois partir, Joe, tu le vois partir, oui. Et Samuel et Flo, vous le voyez pas forcément partir tout de suite avec la nouvelle donne de avec cette trêve et le contexte peut arriver. Ok. Et c'est après, il y a un truc, c'est que juste concrètement, la saison, parce que l'an prochain, on n'a pas la Coupe de la Ligue. Tu sais que le championnat peut reprendre beaucoup plus tard, fin août, peut-être l'an prochain, avec tout ce qui se passe. Ouais. C'est largement faisable. Et en termes d'économie de football aussi, avec tout ce qui se passe, je ne suis pas sûr qu'au niveau du foot, beaucoup aient le moyen après de recruter Paulo Souza. Je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de mouvements cet été, moi, en fait. C'est ça qui m'interroge beaucoup. Parce que l'économie du football. Payer 3 millions à Souza d'indemnité de départ. Il y a ça aussi. Et je suis pas sûr que nous, on pourra se débarrasser de beaucoup de joueurs aussi derrière. Donc, et du coup, recruter non plus. Tu vois, donc, il y a beaucoup de. Avec ce qui se passe actuellement, ça va changer beaucoup, beaucoup la donne. Donc, c'est un peu le flou. C'est dur de dire s'il a possibilité de rester ou partir. Avant ce qui se passait, moi, clairement, je me disais en fin de saison, il se barre. Maintenant, je suis pas sûr. Ce que tu nous dis, c'est que la saison qu'on vient de vivre en grande partie cette saison, on va la revivre dans 3 mois, la saison prochaine. Ah tiens, il y a Paolo Souza qui nous a rejoint sur le chat. Je sais pas. Salut Paolo. C'est vrai ? Il vient de nous rejoindre, Paolo. Mais écoute, parfait, bienvenue Paolo. Oui. Merci les gars, mais de rien Paolo. Donc oui, il y avait une question tout à l'heure. On nous demandait combien coûtait le licenciement de Paolo Souza. Il pourra nous le confirmer sur le chat. C'est 3 millions d'euros hein, si Bordeaux veut se séparer de lui. Donc plus là, que 90% des transferts qui sont arrivés au club depuis 10 ans. Tout voilà. À fait, exactement. Et donc on a vu sa philosophie de jeu, on a vu sa communication, sa méthode, son management, on a vu son avenir. Et il y a Blue Leader qui nous suit, qui suit toutes les émissions, qui nous indiquait quel pourrait être le coach s'il venait à partir. Il disait, est-ce que Didier Tolo, alors il y avait le nom de Didier Tolo, de Villemotte, etc. Donc on nous demandait si Didier Tolo, ça l'intéressait. Bien sûr que ça l'intéresse. Mais bon, voilà. Donc c'est compliqué ça aussi à répondre hein, comme question. Ouais, parce que avec tout le respect qu'on a et tout le talent qu'a montré Didier Tolo Girondin en tant que joueur, je pense pas qu'il ait aujourd'hui les compétences pour un club de Ligue 1 comme Bordeaux, même s'il y a peut-être des entraîneurs moins compétents que lui en Ligue 1 et c'est un problème, mais je pense pas que ce soit le meilleur casting. Il y en a beaucoup qui aimeraient Laurent Blanc, mais aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'il ait envie de revenir dans le football, encore moins pour revenir à Bordeaux. Non, après, qui aurait imaginé Paolo Souza au moment où on a licencié Ricardo ? Qui ? Personne quasiment. Voilà. Personne. Donc, on verra. Il y a plein d'entraîneurs intéressants. Je veux dire, tout est possible. Alors, j'y crois pas une seconde. Hein, mais je vois depuis tout à l'heure plein qui mettent Pochettino. Alors, j'y crois pas une seconde. Mais un de nos anciens joueurs, un peu à l'image de Pochettino, qui a envie de se lancer
et qui pourrait être intéressant, il y en a aussi. Donc, on pourra peut-être tenter des paris comme ça. Encore une fois, je dis pas Pochettino, hein, mais des anciens joueurs comme ça qui connaissent la Ligue 1, des joueurs étrangers, voilà, pas lui, hein, pas lui, surtout pas lui, parce qu'en plus, il veut pas être entraîneur. Savio. Des mecs comme Placente, Savio, par exemple, effectivement. Savio, t'as des cas comme ça où tu peux lancer des mecs là. Et puis si on a vraiment... Rai, j'aimerais bien le jour le voir coach. Rai, ça me plairait bien. Ouais, c'est clair. Bon, après, je pense qu'il a fait un autre choix, mais ça aurait pu être un grand coach. Gallardo, sinon. Gallardo. Des Gallardo, Heinze. Ouais. Franchement, un duo d'Archeville-Feinduno pour rigoler un peu, c'est pas super. Ah non, c'est plutôt Mabouba d'Archeville, à mon avis. Bon, Gino, Gino, tu veux qu'on te libère là? Ça fait une heure que t'es au téléphone ou ça va? C'est bon, je peux finir, vous inquiétez pas. Bon, parce que d'Archeville, il est plus sur sa boîte de nuit là, en ce moment. Là. Ah. Il s'occupe de sa boîte de nuit. C'est lui, il y a un super article. Je vous conseille un super article dans SoFoot qui parle de Darcheville et sa boîte de nuit. C'est un petit régal. Bon, j'ai transmis le numéro à Paolo pour qu'il nous appelle et qu'on le fasse passer en direct, hein, Gino. Si ça sonne, on raccrochera Gino pour prendre Paolo. Ok, oui, normal. Bah oui, quand même, un minimum. Oui, mais qu'il vienne nous dire s'il reste ou pas à Bordeaux. On va lui poser toutes les questions ce soir. Il nous faut une exclu, bien sûr. On se dit tout ce soir. On se dit tout, hein. voilà. Bon, on a fait le tour. Hein. Après, j'ai une idée de thème pour lundi. Ah. On n'en fera pas une autre avant lundi parce que je pense pas. On peut en faire tous les trois jours. Hein. Non, mais on est déjà jeudi, vendredi, samedi. Si tu veux. Samedi, on fait un faux match. Ouais, on fait un faux commentaire de match. Non. non, mais pour lundi, c'est est-ce que cette trêve, finalement. Elle peut changer la donne dans beaucoup de cas, quoi. C'est comme si tu avais une trêve. Bon, alors t'as pas de renouvellement d'effectifs, mais c'est une vraie trêve, quoi. Tu peux repartir sur de nouvelles bases. Oui, une vraie trêve, mais il faudra aussi se préparer sur le plan physique aussi, parce que là, pendant un mois, ne pas jouer. C'est dramatique, hein, physiquement pour les joueurs, Nico, parce que, comme vient de le dire Flo, t'en as qui sont même programmés aussi le rythme. Hein. Habitué à jouer une saison de 9 mois et après reposer le corps 3 semaines et repartir pour une préparation. Là, tu as effectivement des joueurs qui, pendant un mois et demi, vont tout poser et ensuite vont repartir sur un rythme qui va être mais totalement délirant. Ils vont sauter sur maman, là. Ils vont sauter sur maman, là, pendant quelques jours, là. Non, mais et puis on vient de parler. Non, il y a un suivi. T'inquiète pas, il y a un suivi. On est d'accord. On vient de parler de la gestion de Souza. S'il y a vraiment des matchs tous les trois jours, bah, va falloir qu'il utilise son effectif étoffé. Hein, je peux te le dire. Hein, parce que Papy Kos, là, déjà, qui commence à grincer un peu des dents sur les dernières semaines, va le faire jouer tous les trois jours avec les matchs en plus qu'on va avoir un peu casse-gueule, Amiens, etc., machin, où les mecs ils vont jouer mort de faim, Nîmes, etc. Il y a intérêt à ce que tu fasses jouer du Jovanovic, du Mecher, du Benito, du Paul Bayes. Va falloir faire tourner. Hein. Mm. Et alors, devant et au milieu, j'en parle pas. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est plus le milieu qui m'inquiète, toi, et le 9. Hein. Mais après, voilà. Mais là, apparemment, il parlait de reprendre la saison mi-avril. Non, impossible. Non, c'est pas possible. Il disait en fait qui. Non, mais c'est des fous. Si, en Italie. Et pour moi, déjà, je trouve qu'en Italie, démarrer le 2 mai, c'est être candidat au suicide. Mais quand tu vois la situation actuelle en Italie, et notamment avec la nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, moi, je vois même pas comment le football peut reprendre avant la mi-mai, honnêtement. Alors après, ok, d'accord, il y a des impératifs de Ligue des Champions, d'Europa League, etc. Mais sanitairement, tu peux pas. Alors à ce moment-là, ça veut dire que tu vas jouer à huis clos. Un huis clos total. Sans les journalistes, etc. Les journalistes qui sont quand même, je sais pas, quand même ceux qui relaient les informations et qui relaient ce qui se passe. Moi, honnêtement, là, je me vois pas aller faire une conférence de presse dans un mois au Hayan, tu m'excuseras. Hein. Non, mais après, c'est pas moi qui dis, c'est la Ligue. À huis clos, il y a tout le stade qui va t'entendre gueuler quand tu fais tes commentaires. En plus. Tu sais que j'avais une impatience et malheureusement, ce n'est pas arrivé. C'est ce Bordeaux-Rennes. Moi, je voulais me le faire à huis clos. Je voulais voir ce que ça donnait et ennuyer tous mes confrères. Capté par ce que ça va dire. Ah ouais, c'est ça qui aurait été bien. Mais bon.
Ouais, bon, ben voilà, bon, ben messieurs, hein, on a fait deux heures, hein, donc j'espère que ça a plu à ceux qui nous ont écoutés, et puis il y a le replay qui est disponible, je pense que je vais pouvoir, entre les deux émissions, faire quelques extraits, prendre les meilleurs moments pour les publier sur Web Girondin, ça fera un petit peu d'actualité pour ces prochains jours. Et puis bon, voilà, Paulo Sousa, est-ce qu'on a oublié quelque chose, là, on a tout dit sur lui ? Vous avez tout dit, ce que vous souhaitiez ? Franchement, je crois que oui, hein, honnêtement. Non, moi j'aimerais, ben, on en avait parlé la dernière fois, mais qu'on voit une attaque à deux pointes, quoi. J'ai essayé de faire ça sur FIFA contre un pote, ça marchait plutôt bien, le duo brillant Maja avec une défense centrale à 3 avec. Attendez les gars, j'ai un appel les gars. Attention, je prends l'appel, Gino. Paulo, c'est Paulo. Oui, allô. Allô. Comme il m'a mon inconnu, moi il m'a mon frère. Le trucage. Le trucage. Moi je raccroche, les gars. Je raccroche. Une interview de Paulo Sousa. Je raccroche. Donc je sais pas qui c'est qui nous a fait ça. Il nous a mis Paulo Sousa en vidéo derrière à l'appel. T'es avec nous, Gino? Ouais. Alors, c'est pour nous, ça. Eh ben écoute, on a entendu sa voix, mais il était en conférence de presse, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, non, c'est rigolo. Bon, c'est très drôle, en tout cas. Je sais pas qui c'est qui fait ça. C'est très drôle. Bon, du coup, je sais plus. Ouais, tu voulais te faire quoi, le Bordeaux-Rennes, c'est ça, tu disais ? Qui ? Non, c'est pas ça que tu disais, Flo, avant qu'on ait l'appel. Si, Flo, tu parlais d'un truc, oui. Ah, si, si, moi, j'aurais été. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aimerais bien voir un jour vraiment une défense. Alors, peut-être que les gens vont me prendre pour un fou. Mais moi, j'aimerais voir vraiment un jour sur la durée une défense, en sachant que Pablo n'est pas là, une défense qu'Ossiani et Loris Benito. Honnêtement, pour ce que je vois de Loris Benito en tant que défenseur central sur les matchs que j'ai pu voir, par exemple, face à Brest et tout. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un très bon défenseur central. De toute façon, il n'y aura pas le choix parce qu'encore une fois, si on joue tous les trois jours, sans Pablo, tu vas devoir faire tourner. Et aujourd'hui, dans les réservoirs de défenseurs, tu n'as que quatre mecs. C'est ça. Ouais. Parce que ça ne serait pas un retour à une défense à trois. Après, on ne sait pas. Si tu reviens à une défense à trois, je ne sais pas comment tu vas faire. Ouais. Il y a Baze qui va peut-être revenir des morts, on ne sait pas. Et dans ce cas, Baze va revenir des morts, mais même là, tu vas avoir 5 joueurs pour 3 postes. Ça peut être compliqué si tu dois faire pas mal de rotations. Ouais, mais après, c'est le même problème pour tous les effectifs. De toute façon, après, tu sais, on n'ira pas que nous. Donc, il faut prendre aussi ça en compte. Il n'y aura pas beaucoup de joueurs au top physiquement, ça, c'est sûr. Après, il y a des effectifs qui sont, s'ils ne sont pas armés, ils sont moins habitués à jouer tous les 3 jours. À Bordeaux, à Bordeaux, la seule fois où c'est arrivé cette saison, c'était la fameuse semaine où tu as joué 3 fois à 11 contre 10 avec Brest, le match d'après c'est Metz. Match, et le match d'avant c'est qui déjà ? C'est Marseille, je crois. C'est Marseille. Ah, Marseille, oui. C'est Marseille. Et à la fin du match contre Metz, alors que tu viens de faire 1h30 à 11 contre 10 sur 2 matchs, on te dit ah ouais, par contre, c'est avec 3 matchs dans la semaine, c'est compliqué. En plein hiver, tu sais ce que c'est, après tu sais. Ouais. Bon, allez les gars, oui. Bonne soirée. Merci Gino, bon courage Gino. Il travaille demain, Gino. Bon, alors tout le monde. Bonne soirée, bon courage. Bon courage à toi, merci Gino. Salut. J'allais dire comme tout le monde, si on travaille, nous on est au ralenti. Quoi. Non. Ouais, au ralenti. Moi je travaille au ralenti. T'es encore ralenti, t'es gentil. Hein. Nous, Nico, c'est pas qu'on veut pas travailler, c'est que. Mais moi j'aimerais bien travailler. On n'a plus rien pour bosser, nous. C'est un truc de fou. C'est horrible. Moi, je profite de mes quelques rares jours que j'ai en info générale pour travailler un petit peu, mais sinon, tous les matchs que je devais couvrir, il n'y a pas. Donc, de toute façon, c'est pas que je ne veux pas travailler, c'est que de toute façon, il n'y a pas de travail. Hein, donc, voilà. Il n'y a pas le matos. Exactement. Ouais. Donc, on fait des commentaires. Moi, je suis en congé, les gars. Moi, je suis en congé demain et après-demain. J'ai bien choisi, les gars. C'est génial. Ah ouais. Ouais. Très bon choix. Bon, attendez, j'ai un appel, les gars, je décroche ou pas? Oui, allô? Ah, vas-y. Oui, allô? Bonjour. Allô?
C'est encore la blague de Paolo. Bon, je sais pas Paolo. Qui c'est. Bon, je décroche la plus. C'était pas Paolo là. Ah, là, je décroche la plus. Il est taquin ce Paolo. Ouais, il est taquin. Il nous fait des appels. Voilà. Bon, lundi, c'est quoi le programme? Les conséquences de la trêve, même si on en est encore loin là. On n'aura pas beaucoup plus. Est-ce que c'est la faute de Paolo Sousa ou pas? Arrête. Bon, on a trop parlé là de Paolo. On a tout fait en long, en large, en travers. Il a un réseau en Chine apparemment. Oh, bravo. C'est la partie, il faut couper le live là maintenant. Bon allez. On n'est pas en Lombardie, hein, tu me diras. Ouais, ouais, et puis en ce moment, faire attention, les réseaux sont très rapides. Hein. Ouais, ouais. Ça. Allez, on messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Le replay dans quelques minutes. Et puis à la prochaine, à lundi, au plus tard. Si merci on est, à tous. Si on est toujours là. Allez, bye bye.